Naya Medina. Sure, you got it. Bonjour, bonjour. Sorry, ouais. Ouais, depuis je parlais seul. Merci, ma personne. Ouais, merci. Je m'étais muté pour parler au téléphone. Quand j'ai fini, j'ai oublié. Ouais, c'est comment, non, Eva? Bonjour, bonjour. Hein. Bonjour à vous tous là-bas. Je vous ai vu tous monter. Daniel, merci pour ton gros cœur et tout. Je l'ai reçu. Bonjour, Eva. C'est comment, non, ma belle? C'est comment? Très très bon début de semaine là-bas à vous. Hein. Très 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 bon début de semaine à vous. Et bon après-midi là-bas pour vous qui êtes du côté de l'Europe. Ici chez nous, on a encore le matin, il n'est même pas encore midi. Et c'est férié ici chez nous, c'est le Columbus Day. Donc, mais ce n'est pas tous les États qui observent ça, hein, le Columbus Day. Ce n'est pas tous les États qui observent le Holiday, cela. Donc voilà, c'est un peu confus et tout. Oh, tu reviens du boulot, hein? Ah, ok. Ça va alors. Ça va. Donc, j'ai voulu qu'on fasse un peu de live un peu plus tôt, hein, parce que je vais aller. je vais aller au concert de Zoé ce soir à l'école et tout. Non, elle a son concert. Elle a son concert à l'école. Elle va jouer. On va là. On va la noter pour sa prestation de la trompette parce qu'elle elle joue à la trompette. Donc, ils ont un concert aujourd'hui. On va les noter et tout. Voilà. Donc, le soir, je pourrais pas. C'est pour ça qu'il commence un peu là plus tôt pour qu'on, you know, on essaie de faire ce qu'on a fait et tout. Après, je vais move on, quoi. Je vais vaquer à mes occupations. Donc, c'est comment, non, mes gens? C'est comment? C'est comment? Maman, elle pleure de ça. Et vous êtes calmé. Ou c'est moi qui ne suis pas, ou bien je ne suis pas la page. Maman, elle pleure de ça. Voilà. Je viens vous dire que s'il fallait refaire ce que j'ai fait là 110 fois, je le referais. Je le referais. Parce que c'est vous qui dites que vous avez vu la nudité. Je ne vois pas la nudité. À aucun moment, vous n'avez pas vu la serviette tomber. Voilà. Vous n'avez pas vu la serviette tomber.
Voilà. Vous ne pouvez pas dire si elle avait le caleçon ou elle n'avait pas. Donc allez pleurer loin. Allez pleurer à niédité, à niédité. Et là, vous allez comprendre que l'eau vous emporte. Que la nudité. Moi, je n'ai pas vu la. Et qu'elle pleure de ça. Et qu'elle pleurait loin. Allez pleurer loin. Il y a toujours deux façons d'apprendre dans la vie. The easy way and the hard way. Et s'il faut que la Tatiana Cornichon, là, qu'elle apprenne on the hard way, elle va apprendre. Mamie, tout ce qui ne tue pas rend fort. Ta grosse langue que tu venais, tu te bavais sur les gens. Tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Les vendeurs ne cherchent pas les problèmes. Voilà. La personne là, qui avait mis ta vidéo dehors, là, la personne était dans la mort. C'était ton Congolais. Tu t'es ton Congolais au lit. Pourquoi tu n'as pas monté? Tu avais pris la vie. Tu avais pris aussi le téléphone pour filmer la personne. Non? Coucou à Kent. Tu avais pris le téléphone. Tu as filmé la personne. Non? Pourquoi tu ne nous as pas monté la personne avec laquelle tu étais dans la chambre le jour là? Tu t'es ton Congolais. Comme tu sais qu'il est déjà mort, tu ne peux pas venir le publier. Les pleurs de ça. Et que ce que j'ai dans mon téléphone, et que ton zout est dans tous les téléphones de roi. Ton zout est dans tous les téléphones. Ce que j'ai fait là, ce que j'ai mis là, ce n'est rien par rapport à ce que j'ai dans mon téléphone. Continue encore à faire tes pipis du chat là. Si tu veux parler, te calmer, ok? Te calmer et donner du temps. Là. Tu que tu viens sur Facebook, sortir ta langue du vent là, pour faire les vidéos, que les vidéos de TikTok là. Ne pas te concentrer sur tes enfants. Et quand tu viens là, dit que tes enfants ne seront plus présidents de la République parce qu'on a monté, la vidéo de la nudité de leur mère. Où est la nudité là? Tu as d'abord fait quoi pour que tes enfants soient les présidents de la République? Quelle éducation tu leur donnes? Quand tu vas pleurer, quand tous les jours tu viens sur Facebook pleurer pour un homme, c'est l'éducation ça? C'est quelle éducation? Tu ne sais pas que ce soit tes pleurs là d'une banzizi tous les jours, que tes enfants ont honte? Donc tu crois que c'est ta serviette blanche là qu'on a mis sur Facebook qui m'a dit que oh la nudité. Moi je n'ai rien vu. Donc je vais encore republier la vidéo là. Si vous parlez de la nudité, moi je n'ai pas vu ton zout. Et c'est ton zout que je veux voir ici là. Si au moins ça, ça peut te calmer. Je ne gère pas les pipis du chat là que oh ma chère. Moi j'ai le cœur du Mboma. Vois-tu là que vous faites les un pas à la danse des bassins, un pas en avant, 100 pas en avant. Je ne suis pas là-dedans. Je voulais toujours dire que le jour que vous allez rencontrer une vraie personne qui me connaît dans la vraie vie, va vous dire que maman, c'est pour ça de moi. Vos pipis du chat là, je ne traîne pas avec ça. Ok? Vous allez signaler, signaler, signaler. Voilà. Ça va partir. J'ai beaucoup de comptes comme ça. Voilà. Même si c'est en vidéo, je viens de vous parler en vidéo. Même ça en vidéo là, je vais venir parler en vidéo. Tu veux laisser ça, ça va couler. Et là, une vieille mère comme ça là, on est d'ailleurs ça se concentrer sur sa vie. Il faut que c'est maintenant qu'on la monte en serviette blanche, qu'elle vient pleurer que oh mes enfants, mes enfants. Quand tu peux te balader partout sur les réseaux sociaux, à sortir ta langue du vent que tu as dans ta bouche la poser au sol. Tiens, Eva, tu n'avais pas pensé à tes grands-enfants? Que tes enfants auront honte de toi que tu te pavanes sur les réseaux sociaux à discuter un homme. Pourquoi tu ne discutes pas le père des enfants là? Hein? Pourquoi tu ne discutes pas le père de tes enfants? L'homme avec lequel tu as fait les enfants là, pourquoi tu ne viens pas de le discuter sur les réseaux sociaux? C'est quand ça vous arrange. Vous êtes en train de dégrader une personne, dénigrer la personne tous les jours. Tu sais qu'elle avait appelé l'NBI. Il t'avait dit hier que l'autre jour, que quand il mettait ta vidéo, que tente d'aller à cuisse ouverte. Pourquoi tu l'es parlé là-bas? C'est qu'aujourd'hui là, peut-être qu'on t'aurait déjà enterré. Il fallait mettre tes pieds là-bas à cuisse ouverte hier pour parler. Tu as bien fait de partir parler dans ta page là. Personne ne peut te retirer ce droit là. Mais il fallait porter tes pieds là. Coucou Denis. Il fallait porter tes pieds remplis d'eau sale là pour aller là-bas à cuisse ouverte. Tu allais lire là. C'est qu'aujourd'hui là, tu es dans la ventilation. Tu ne blagues pas. J'ai le cœur du Mboma. Si vous avez pour moi et mes enfants, là, mettez. Voilà. Si vous avez pour moi, là, avec pour mes enfants, là, mettez ça. On quitte ça. Les pleurs de ça. Les pleurs de ça. Quand tu partais niaise dans la chambre d'hôtel, tu as laissé tes enfants où? Quand tu partais faire tes écartements là-bas, avec arrivé jambes à l'air, tes enfants étaient où en ce moment-là?
Tes enfants étaient où en ce moment-là? Que les enfants de Sarah puis les présidents. Tu crois qu'avec ta grosse langue la rapide dans ta bouche, avec ton comportement sur les réseaux sociaux, donc il a fallu qu'on montre une vidéo de toi en serviette blanche pour que tu penses que tu dois te retirer des réseaux sociaux et faire de writing pour tes enfants. Tu fais quoi? Te pavaner. Toi-même, combien de fois tu nous as montré ton zout dans les vidéos à la con que tu fais tous les jours, ta langue versée au sol en soulevant ta robe? Combien de fois tu as monté ton caleçon ici là? Combien de fois? Quand tu as embrassé ton défunt congolais là, quand on t'avait chassé, quand Thierry t'avait chassé, tu es parti ramasser, on dit que tu es parti au centre de désintoxication, tu as ramassé le congolais avec lequel tu te bannais partout. Tes enfants étaient où quand tu l'embrassais partout? Quand tu as embrassé le congolais là partout, tes enfants étaient où en ce moment? Tes enfants étaient où en ce moment? Moi, je ne dure pas dans mauvais rêve. Il fallait aller dans cuisse ouverte hier. Il fallait poser tes gros pieds remplis d'eau sale là, aller à cuisse ouverte hier. C'est qu'aujourd'hui, tu es dans la ventilation. Il fallait aller là-bas hier. C'est que j'ai dit, mais comme bouillard une fois. J'ai fini avec toi, le chemin. Ta famille ne me connaît même pas. Voilà. Moi, là, je suis haineuse pro max. Si vous avez pour moi la mettez. Si tu crois que les valeurs que tes parents t'ont inculpées, c'est ce que tu as tenté de montrer sur Facebook là. Ok? Moi, j'ai d'autres valeurs que celles-là. Voilà. Je connais l'éducation que je donne à mes enfants. Ce n'est pas sur Facebook que je vais venir éduquer mes enfants. Ok? Voilà. Je connais comment j'éduque mes filles. Elles ne peuvent pas faire ça. De la valeur que je les inculpe. Tu viens à une tour zoute comme toi. Tu viens là te balader tous les jours sur les réseaux, fatiguer les gens, une vieille mère comme toi. Hein? Il manquait quoi pour que tu le... Pourquoi tu n'as pas soulevé ton cabaret? Il fallait soulever ton vieux machin là. Que tu allais sur toi pour nous montrer une fois fini avec ça. Tu vas lire. Tu vas te retracter, que tu le veux ou pas. Et quand tu viens là comme une feuille morte et tout, tu vas commencer à promettre la bada aux gens. Hein, maléba, hein, maléba, maléba. Et je dis que tente un peu. Essaye. Essaye ce que j'ai dans mon inbox, ça. Je mets ça. Toi et moi, nous ne sommes pas dans le même continent. Je n'ai rien à perdre. Voilà. Si on a mis pour les autres, ils sont vivants. Toi aussi, tu vas survivre. Quand tu sais que tu as cœur de poulet, là, ok? Voilà. Just do the right thing. Je ne regrette pas mon acte. Voilà le lit. Voilà le lit sur lequel Mbiaye avec ses vieux rideaux. Ça, c'est. Voilà son lit. Voilà le lit sur lequel Mbiaye s'assied avec ses fesses pourries pour t'encourager. Tu as dit de lire là aujourd'hui. Elle est où? Elle est toujours couchée sur son même lit pourri. Reviens encore prononcer le nom de ma pépé. Reviens encore prononcer le nom de pépé. Tu m'alléba. Reviens encore. Moi, je n'aime pas l'acharnement. Voilà. Reviens encore. Quel est ce palabre qui ne finit pas? Tous les temps qu'elle est au Cameroun pour prendre du bon temps avec sa famille, vous sautez comme les fourmis sur elle. Chaque fois qu'elle est au Cameroun, vous sautez sur elle. Hein? Tu crois que tu as de la considération pour ta personne? Même si le gars part en tant qu'un homme, comme on connaît tous comme ils sont, même si le gars part pas derrière te voir, tu vas aller appeler une énergumène comme Biaï avec le paquet de sang dans ses fesses pour lui dire que le gars vient de m'appeler, on lui a donné la fleur. Tu vas lire. Tu dis que ta nudité dans nos inbox comme ça, remplie. Tu vas lire. Connerie comme ça là. Que ceux-là qui t'aident avec la bouche viennent effacer tout ce qu'on a de toi dans nos inbox. Le mieux serait. Comment un déchet comme ça là. Comment une saleté comme toi. Toutes les vidéos là que tu parles, t'as de pavaner sur toute affaire là, à parler de pépé, tu m'allais pas à la taquiner tous les jours. Ça a quelle valeur avec le cadre de travail, avec le sol que tu balais dans les hôpitaux. Quand tu pars à l'hôpital, quand on te voit, ta place est à Asda. Ta place là, c'est à Asda. Non, hein. Comme la France, c'est un pays qui donne aussi des opportunités à n'importe qui. On te donne le balai de balai le sol de l'hôpital. Tu pars là-bas, maléba, 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 maléba. Tu as laissé le nom là. C'est-à-dire que ton point tout va apparaître ici sur nos écrans. On a les feux. Et quand on a les pages comme ça, vous connaissez l'autre aussi parce que vous me connaissez. Les autres, vous ne connaissez pas. Je vais aller mettre ça là-bas. Je verrai à qui vous allez parler. Comment une idiote comme toi, Tatiana, il dit que je ne regrette pas. Et je ne vois pas la nudité. Ta nudité viendra. Ne te calme pas.
Et que ton zout ouvert comme ça. Voilà. Ton zout ouvert comme ça. Avec ton éventail que tu as, tes feuilles de tarot là qui font le sol. Ça atterrit en fond d'écran. J'ai les pages que vous ne connaissez même pas. Voilà. Et je verrai qui vous allez accuser en ce moment. Je ne tue pas d'un mauvais rêve. Je n'ai pas affaire au cœur de poulet comme vous. J'ai le cœur d'une boma. Fichez de la paix. Eh, anédité, anédité. Vous avez vu la nudité où? Vous avez vu son couetou? La cervelle est tombée un jour. Dans la vidéo, là, vous avez vu la cervelle. La cervelle a quitté son corps à un moment. Que la nudité d'une femme. Et c'est vous comme ça, les écartements, ok? Les écartements à 360 degrés dans les vidéos, dans les téléphones des hommes. Je ne vous gère pas. Que l'eau vous emporte, vous tous. Voilà. Je suis une adulte vaccinée. Je suis responsable de mes actes. Voilà. Allez pleurer loin. Vous comprenez? Voilà le lit pourri de l'autre là-bas en Allemagne, dans un village perdu. C'est sur ce lit-là rempli de sang. Quand tu entres, tu dis, on dirait qu'on a égorgé un bœuf dans sa maison. C'est qu'il venait parler de chamaleux. Un déchet comme t'arrives, un biaï. Tu es pour être l'élève d'un cadavre qu'on abandonne à la morgue là. Pour ne pas aller sauver ta tienne là. Viens prendre toutes les vidéos que nous on a dans nos téléphones. Viens prendre tous ces zouts qu'on a. Viens que tout roi a son zout dans leur téléphone. La serveuse de la vie de roi. Vous avez vu à quel moment vous parlez de la nudité, qu'on se rappelle la nudité, qu'on écarte les feux de ta soeur ici là, elles sont gésiées comme les feux du chou, ok? C'est ça qu'on appelle la nudité, ok? Va prendre pour ta soeur, tu viens mettre sur moi, et déchets comme ça là. Quand on a publié mon adresse ici là, donc alors tu es venu, ça y est, c'est pas de la chèvre en bas de mon budget. Vous connaissez, vous savez pas aussi publier l'intimité de quelqu'un? Vous croyez que l'intimité c'est toujours l'intimité physique? Des déchets comme vous. La main foyer en bas de ton budget. La main faut t'attendre en bas. Descends, descends, descends. La main foyer en bas pour t'attendre. Vous devez acclamer, non? Voilà. Pour moi, là, la vengeance, c'est un plat qui se mange congelé. Vous allez lire l'heure dans mes mains. Si la nullité de... Vous que votre bande, là, la ténébrie, là, votre nullité touche à moi, je vais balancer ça. Voilà. Allez appeler la mafo, ok? Qu'elle vient encore dans mon nudité me chercher. Allez l'appeler. Parce que vous croyez que la nudité des gens, c'est toujours la nudité physique, ok? C'est vos simites de votre team de pisseuses là qui va afficher mon adresse sur Facebook, ok? J'étais dans le lab de Pasto. Elle écrit mon adresse entièrement, ok? Je n'ai pas vu Pasto. Je n'ai pas vu s'indigner, hein. Je n'ai pas aussi vu Moula Tambou avec ses cheveux d'un cadavre là sur la tête. Je n'ai pas vu s'indigner. La saleté passe là, l'autre yeux, hein, sa fille Zoé. Ok? Ma fille a une très belle éducation. Voilà. Je connais les valeurs que j'inculpe à mes enfants. Elles ne peuvent pas. Allez éduquer vos enfants. Don't worry about me. Allez éduquer vos enfants. Tu viens là avec ta tignasse remplie de poux pour me parler. Ok? Le jour que quand la saleté du 22 novembre avait affiché mon adresse, tu as dit que quoi? Un tambour. Tu avais dit que quoi? Avec ta langueur du beurre un peu dans ta bouche. C'était pas là-bas chez le pasteur qu'elle avait écrit mon adresse dans le live. Vous êtes indigné? La saleté est venue sur ses pattes de chèvre en bas de mon budget. Elle a affiché ma photo. Est allée dans le live de Beta, monter la photo de mes camarades auxquels depuis 110 ans qu'on ne connaissait plus m'ont appelé. Ok? Ça va très vite, hein? Alors, si votre nudité tombe dans ma main, je mets ça. Et sachez que l'intimité des gens n'est pas toujours l'intimité physique. Voilà. Donc tout ça là, le 22 novembre là, vous allez finir le 22 novembre là. On va se retrouver au quartier. On va se retrouver au quartier. Le dernier virage pour voir 2025 là. Beaucoup ne verront pas 2025 là. Je ne suis pas sûr que beaucoup verront 2005. Des déchets comme vous, vous faites toujours l'indignation sélective. L'indignation sélective. Quand la péteuse est venue en bas de mon budget, ici, là, moi, je suis au travail. Les autres ont dit que, descends, la main au foyer t'attend en bas. La main au foyer en bas, cœur de poulet, descends, descends. Ah, ok. Donc, vous n'avez pas pensé en ce moment qu'elle a été de publier mon adresse alors que je vis avec une teenager. Voilà. Quand on va monter une wolo, une sapac
une partageuse nationale dans une chambre d'hôtel, là où elle vient de finir une prestation de la nièce d'élan. Quand la nièce son élan comme ça, quand ça touche le sol. Ok? Donc c'est pour vous ça, la nudité. Dans ma part, quand on a affiché mon adresse, ok? Quand on a affiché mon adresse, vous n'avez pas vu en ce moment-là que je vivais avec un enfant, hein? Mais quand il faut partager une vidéo de oh, oh, machin, il vient de finir ma nièce, machin, tu la vois là dans la chambre avec moi. C'est que, oh, la nudité, ok? Oh, ma part, il y a un peu de risque, hein? Vous n'avez encore rien vu. Ok? Je ne vous gère pas. I'm doing me. Allez demander ce que ça veut dire en anglais. I'm doing me. Voilà, je fais ce qui vient de mon cœur. Allez pleurer loin. Des déchets comme vous. Des conneries comme vous. Voilà le poste que Mbiaye avait fait. Toi, Kondou, tu as passé au moins pendant plus d'un an à afficher ma fille Zoé sur ta page, sur les riels, pour découper les miettes. Ok? Tu ne savais pas que ma fille était en déhèche le temps là. Vous avez passé votre groupe de ténébris là, à couper le poste que j'ai fait avec mon enfant là. Allez prendre l'afficher sur vos pages pour collecter les 1 fois, les 2 fois. Ce n'était pas qu'elle est teenager, hein? Non. Ce n'était pas que c'est l'intimité d'une teenager que vous êtes en train de violer comme ça. Parce que moi, en tant qu'adulte, ok, j'ai 100 ans pour venir ici. Mais la fille, elle est encore mineure. Elle n'a pas 100 ans pour venir ici. Voilà. Mais vous avez pris la photo de mon enfant, vous baladez dans tous les riels, même le pasto. Hein? Vous avez partagé dans tous vos riens pendant plus d'un an. Rêve Mbiaye, elle est partie qu'elle allait faire un poste pour comparer sa fille à ma fille. Comme pour dire que ma fille, elle l'aide plus que sa fille. J'ai capturé, voilà le poste là qu'elle avait fait. J'ai capturé la photo de sa fille. C'est de me dire qu'elle a publié l'enfant. Alors que c'est elle-même qui a publié sa fille pour comparer mon enfant. Allez pleurer, mais je ne vous gère pas. Que l'eau vous emporte. Que le tonnerre éclate sur vos têtes dans le soleil de midi. Des déchets comme vous. Des déchets comme vous. Quand celle-là, elle se pète de la chèvre, ok? La partageuse, la prostituée de la nation, qu'elle est partie là-bas à Rouen appeler la mairie, que l'enfant de ma bébé, ce n'est pas son enfant. Ce n'était pas que c'est l'intimité, hein? Vous voyez que l'indignation sélective de... Je ne vous gère pas. Priez seulement que la photo de vos yeux ne tombe pas dans mes mains. Je publie ça. Je suis haineuse pro max. Et que dès que ça tombe là, je vous mets seulement que brouillard, ça entre dans vos côtes. Voilà. Coucou Nick. Le reste, je vais aller gérer les détails hors de moi-même. Je ne vous gère pas. Ok? Priez seulement qu'une photo, ok, inconvénient de vous ne tombe pas. J'ai publié ça. Et si Tatiana pense que moi, je vais la commencer, mais je n'ai pas encore commencé avec tout ce que j'ai dans mon inbox. Voilà. C'est catégorie par catégorie. Tout roi a ses photos nues dans leur téléphone. Tout roi. Voilà. Et même ses photos, la vidéo là, c'était pas. C'est quelqu'un de la ténébrie qui m'avait envoyé ça. Quand elle était partie encore, à l'époque, elle allait se placer là-bas, à cuisse ouverte. C'est quand les vidéos étaient sorties. C'est quelqu'un de la cuisse ouverte qui m'avait envoyé. Vous savez qu'il était dans votre groupe le temps là. J'ai reçu toutes les photos là que de vous. C'est vous qui l'avez publié. Voilà. C'est la ténébrie. C'est la ténébrita. C'est vous qui l'avez publié. J'étais dans votre histoire là-dedans. C'est là-bas que j'ai reçu toutes les vidéos là. Dans votre groupe là. Allez pleurer loin. Des déchets comme ça là. Look à l'autre, le sosie de Michael Jackson. Que j'ai fini de monter mon bureau. J'ai fini de monter. Oh, il y a le bureau dans la vente du zout. Des harceleuses comme vous. Vous passez le temps à harceler une dame qui ne vous doit rien. Chaque fois qu'elle prend son billet pour aller au pays, vous lui menez la vie difficile. Ok? Et moi, je ne peux pas être observatrice. Je refuse d'être une witness. Je vais finir avec vous. Ce qui vous fait plus, c'est qu'elle est graphiste. On ne m'utilise pas. Je suis responsable de mes actes. Je ne suis pas décassé. Ok? Mais s'il faut que je prenne la couverture là pour traiter vos faux copes quand vous faites du mal à votre soeur, moi, je n'aime pas l'acharnement. Vous êtes très méchant. Vous voulez jouer à l'être parfait. Ok? Vous voulez publier ma fille ici, là, dans vos riels. Pendant combien d'années? Pendant combien d'années? Toi, la saleté de Mbiaye. Toi, cette poubelle. Que tu as dit de vouloir lécher, humer les langues de maman Pépé. Ok? Même si le Thierry, là, que vous dites tout de lui, même si Thierry vient te draguer, après, tu vas accepter de sortir avec lui. La poubelle que tu as fantasmé ici, là.
Tu as fantasmé, tu continues à fantasmer sur Assis Dikolo. Tu ne peux pas parler comme ça sans prononcer son nom. En aucun cas. Alors que tu n'aimes même pas son goût. Quand tu vas perpétuer, Achille a pu sortir avec perpétuer, elle a dit sortir avec toi. Une mamie d'un contre comme ça qu'on a mis au feu oublié. Déchet. Une sale chose comme t'as biaï. C'est toi qui dis tes lèvres qui font de sol. Hein? Les lèvres là comme les lèvres d'un cadavre qu'on a oublié à la mort. Quand tu es venu parler dans la vie des gens qui te dépassent, il y a que tiens ma fort. Tu crois que même si on lui donne quelque chose, tu crois que tout ce qu'on. Même si on va lui donner, c'est un plus qu'on va encore lui donner. Nous, on connaît là votre traitement. Ce serait dans le noir. Vous n'allez même plus savoir gérer ça. Parce que quand on vient donner un plus, là, vous prenez ça pour vous moquer d'elle. Un tiens ma fort. Toi, tu l'as donné quoi à qui on a vu? Le mourant là qui est là-bas en sous-sol, son gros caleçon qui perd dans ses testicules là. Tu l'as fait quoi pour lui? Son frère est mort, il sait, ton beau frère est mort. Payez seulement la voiture pour aller là-bas chez ta épouse en Allemagne. Aller là-bas, rester dormir au sol du zoo, dépassé. Ok? Et c'est lui, le mongol là, qui vient aussi. Un homme comme ça qui s'est marié. Il n'a même pas d'enfant. Lui qui a venu parler des femmes, que les femmes qui publient. Papa, il dit que toi, alors, c'est tout. Il dit qu'elle te prend à crédit aujourd'hui. Parce que là où mon cœur est, si j'ouvre ma bouche sur toi. Va d'abord faire le DNA test qu'on t'avait demandé depuis. Tu n'as pas d'enfant. Voilà. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. On t'a dit que cela pour parler avec un vieux père de la soixantaine qui n'a pas d'enfant. Tu n'as pas d'enfant. Va faire le DNA test. Va faire le DNA test qu'on t'avait demandé. Et reviens nous parler. Voilà. Va faire le DNA test. Tu reviens nous parler. Mais on fait quoi? La parole d'un stérile. Mais on fait quoi? Un homme qui ne procrée pas. Tu vas voler le gemme des autres hommes. Hey, mon fils, essaie avec mon fils. Mon fils joue le ballon. Mon fils a envie de jouer le ballon. On a joué le ballon. Connerie, le proving de ça. Quand la femme a accusé de découper le lien, il vient attraper les fesses. Un homme qui ne connaît même pas à quelle heure ses enfants partent à l'école. Un homme qui ne connaît même pas à quelle heure sa femme se réveille du lit. Ça veut dire parler. Tu as quoi dire? Tu n'as rien à nous dire. Va chercher le travail. Enlève les tuyaux noirs là et tous les fingalis que tu poses sur tes doigts là. Va chercher le travail. Enlève tous les fingalis là sur tes doigts. Va chercher le travail. Arrête de venir nous parler. Va chercher le travail. Et que va travailler. Enlève tous les singalis là. Enlève tout ça sur tes doigts. Enlève tous les singalis. Va chercher le travail. On ne porte pas le carton avec les singalis au doigt. Va venir là. Un homme moindre que rien comme ça. Que le noir de ça. Avec les grosses fesses comme ça, là, remplies de Numba. Ça que nous parlait. Avec ta femme, une illettrée comme celle-là. Elle connaît écrit son nom. Elle avait dit que je lui ai vu. Une bègue comme ça là. Hein? Une fois qu'il ne parle pas parce que. Elle est loin ça. Des conneries comme ça là. Il dit qu'enlève les singalis que tu poses sur tes doigts là, va travailler. Il va enlever les singalis, tu vas travailler. Quand elle est parler, les cas où vous voyez les. Quand ta femme est belle, elle se lève pendante là. Tu crois que si vous parlez de la beauté de la femme, ta femme a quoi? Ok? Ta femme a quoi? Qu'une femme, une illettrée. Ok? Qu'elle s'affranchisse d'abord auprès de toi en lui parlant en public. Qu'elle s'affranchisse. Une femme qui va aller prendre le plaisir avec un pasteur. Quand il faut porter le collant, c'est le pasteur, on va tomber, on va écarter. Là où elle a dit de rechercher, là où on va la niasse. Là où elle va trouver peut-être le plaisir de la niasse. On peut souffrir dans la vie comme ça. On peut souffrir dans la vie comme ça. Nous, la femme qui est venue parler, que les femmes, quand Flo, celle-là, elle s'est pliée, les pattes de chèvre, là, qu'elle porte avec son couetou comme ça, là, qu'elle derrière ses fesses comme pour le cheval, qu'elle avait publié la butée des nations devant 4000 personnes samedi après-midi. Tu étais où? Sois pas tes amis aujourd'hui. Quand le vrai couetou qu'on avait vu écarter, une feuille de chou qu'on avait vu écarter comme ça devant 4000 personnes un samedi après-midi, je n'oublierai jamais ce jour-là. Tu étais où? C'est pas toi qu'on a entendu tes voix ici, là, dans les voix, qu'on peut te tuer quelqu'un. Plus bien la tuer de quelqu'un est plus grave que d'aller commanditer les meurtres.
On ne t'a pas entendu. Il s'est dit qu'il faut chercher la nudité de telle personne dans les voices. Que tu demandais à quelqu'un d'aller chercher la nudité des femmes pour venir te donner. Tu crois que tu as un exemple à prouver? Un déchet comme ça, un homme qui se décape. Tu crois que quand on parle des vrais hommes, les hommes qui nous déshabillent, tu crois que c'est les hommes comme ça avec les bandes remplies au doigt? Je parle avec un homme avec les fingalis au doigt. Tu crois que moi, mon homme là, c'est un homme qui porte les fingalis? Un homme seulement, tu te demandes ce observe, tu te passes le temps dans le miroir plus que ta femme, plus que ta momie que tu es dans la maison là. Tu discutes le miroir et la momie que tu as fait, que tu appelles la femme. Celle-là qui peut acheter le gâteau, elle est mettre dans le four pour réchauffer. Mais quand elle appelle le pain des noix, maman, quand elle voit son pain, elle ne peut pas manger ses pipis du chat là. Ce n'est même pas bon. Voilà. Bon, va d'abord ta. Il dit que va d'abord chercher, enlève tous les fingalis là. Ok? Mon nom ne peut apporter 8 bagues au doigt. Enlève tous les fingalis que tu as sur ton doigt là. Va chercher le travail. Va travailler. Nous, on te voit transpirer. Et prends la peine de changer aussi tes underwear. Voilà. Mon homme, tu n'as rien d'attirant pour moi. Moi, un homme, mon homme ne discute pas avec les femmes. Je ne veux pas mon homme. Mon homme doit être alpha. Je ne veux pas les girly girly. Tu es trop girly pour moi. Voilà. Tu tends plus à un whoopi. Voilà, ce sont les whoopi qui sont tous dans l'étude des femmes. L'étude des femmes, non, 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 non. Ce sont les whoopi. Voilà. Tu es un whoopi. Un homme là qui a les hanches comme ça, là, tu mets tes fesses, balance derrière comme une mamie de Watafoufou. Tu venais parler des femmes. Et là, regarde, là, c'est les femmes qui ont fait ici. C'est les femmes. Et la peau, elle est que ce sont les femmes. C'est nous les femmes qui faisons le monde. Rien ne peut se passer dans le monde sans la main d'une femme. Voilà. C'est moi la femme qui est venue sensibiliser ma soeur. Qui est venue lui donner une bonne gifle comme ça, là, que réveille-toi. C'est la compris qu'elle a comprise. Moi, je m'en fous. C'était un acte de réveil pour elle. Et puis, il va encore arriver, ça ne se ressaisit pas. Voilà. Pas pleurer loin. Voilà. Un homme, tu viens avec tes gros caleçons aux fesses. Hein? Un autre pervers narcissique. Un homme que tu avais les femmes. Dis-moi, tu as un cœur à prendre. Comment se fait-il que... voilà un samedi soir. Hein? Voilà comment tu passes ton samedi. Alors que les vrais gens sont en train de nous niasser. Tu vas au téléphone avec les femmes. Tu penses que tu as un cœur à prendre? Comment se fait-il que deux femmes entreprenantes comme vous, vous n'avez pas les hommes pour vous niasser? Comment deux femmes comme vous, comment vous ne vous faites l'amour combien de fois par semaine? Alors que je suis ici là, je ne peux même pas bander même pour faire une demi-fois. Comment les femmes comme vous, les hommes qui vous niassent là, je vais faire aussi comment pour être comme eux, pour que je niasse aussi celle-là qui est ici là, qui me regarde tous les jours, je ne peux même pas assumer. Tes rêves sont venus quand? Parce que j'aime quand il y a les madras pour qu'elles lèchent. C'est quand il y a les madras. C'est ma période préférée. Quand il y a les madras, c'est là où je parle maintenant avec ma langue du vent. Je lèche bien. Un rêve. La dernière fois que tu as fait l'amour, c'était quand? Rêve. Tu ne peux pas, parce que moi j'aime beaucoup manger, même quand mon tu ne se lève pas là, pour niasse. Je préfère me consoler avec la nourriture. Un rêve. J'ai entendu une fille là-bas aux États-Unis te demander que tu t'épiles combien de fois par semaine. Tu te rases avec quoi? Moi aussi, j'aimerais savoir parce que tu n'as jamais répondu à celle-là des États-Unis quand elle te pose la question de savoir quelles sont tes routines. Tu te piles à la scie, tu te piles au rasoir ou tu tailles les conneries là avec tes mains et tu manges ça. Rêve, il faut vraiment que tu nous répondes à ces questions-là parce que celle des États-Unis là, t'a déjà posé ça depuis, mais tu n'as jamais répondu. Et c'est vraiment aussi à une question qui me tient à cœur. Si tu peux nous répondre vraiment à cette question ce soir, ça nous fera vraiment plaisir. Rêve, tu as un cœur à prendre ou pas? Ton cœur, ton poumon gauche est plus en haut du cœur ou c'est placé plus à côté du cœur? Rêve, tu es vraiment en beauté ce soir.
Je vois le creux de ta poitrine. Tu as porté quel soutien? Tu as porté de quelle couleur et de préférence? Est-ce que je peux savoir ta couleur de soutien que tu as porté ce soir? Parce que vraiment, je te trouve trop en beauté. Je suis là fatigué des babouches, de celles-ci qui m'accaparent dans cette maison. Oh, tu sais bien, rêve. Je t'ai dit, que tu es une très belle femme, hein. Comme ton fils est au Cameroun, que tu es parti l'abandonner là-bas. Non. Tu ne pouvais pas t'occuper de ton fils. Tu es parti carrément l'abandonner au Cameroun. Tu l'as envoyé comme un colissimo là-bas au Cameroun. Est-ce que si ça te dit, est-ce que je peux venir là-bas sur ton matelas, jeter au sol pour qu'on passe un week-end? Rêve. La dernière fois, il était parlé, il était 1h du matin, on était au téléphone. Bon, on parlait de tout et de rien. J'ai entendu la voix d'un homme derrière. C'était qui? Si je peux vraiment poser cette question-là aujourd'hui. Parce que depuis que j'ai entendu la voix de l'homme-là qui te parlait à 1h du matin, vraiment, je suis perturbée. Est-ce que tu peux me dire vraiment quel est l'homme-là qui te parlait au téléphone à 1h du matin? Rêve, est-ce que tu peux me dire comment tu t'organises pour Nias, tout le village là-bas, en allemand, où tu Nias, là, quand tu vends ton piment, là? Est-ce que tu peux me dire comment tu t'organises avec l'enfant? Parce que tu sais, tu es une belle femme. Quand était-ce que tu dis que tu es à mon goût? Donc, je peux, you know, venir aussi solliciter tes services. Tu fais comment? Parce que je ne veux pas comme l'enfant me voit tout le temps parler au téléphone avec toi, qui me reconnaisse quand elle est venue pour la nièce. Rêve, la dernière fois que tu as fait l'amour, c'était quand, s'il te plaît, avec quelqu'un que tu aimes pas, avec un client. Bon, parce que je sais qu'avec le client, c'est quand, bon, il y a l'échange financier. Donc là, tu ne portes pas vraiment à cœur. Je voulais savoir vraiment, la dernière fois que tu as fait l'amour avec un homme qui t'a fait battre le cœur, et si tu as aimé. Rêve, ta perruque que tu portes là, c'est une mèche naturelle ou c'est une mèche surnaturelle? Rêve, ton rouge à lèvres que tu as porté là, c'est le même rouge à lèvres que tu t'es venu au deuil de ton beau-frère avec ou pas? Parce que je te trouve vraiment sublime ce soir, comme je te l'ai fait savoir. Rêve, on va Niaska. Bon, parce que madame Messan, ça lui dit pas, hein, si elle n'a pas de problème, hein. Bon, si du moment où c'est sa rêve et tout, donc elle préfère que tu viennes là pour qu'on fasse un trisom. Bon, moi, comme je n'ai pas le cardio, bon, je voulais te confier un secret avant qu'on on en arrive là, que moi je préfère travailler avec ma langue. Je sais pas si la langue te convient, rêve. Rêve, tu portes, quelles sont tes couleurs de sous-vêtements préférées? Celle des États-Unis là dit qu'elle préfère les ficelles. Bon, moi je te demande, je veux te poser la question de savoir, toi aussi tu portes les ficelles ou tu portes les caleçons normaux? Les caleçons, bon, quand il dit normal, bon, ça peut être dentelé ou ça peut être en coton. Ou, je sais pas, bon, d'autres personnes comme ma femme, elle ne porte jamais le caleçon parce qu'elle est prête à ouvrir à tout moment dans tous les carrefours. Elle ne porte jamais le caleçon. Bon, je ne sais pas aussi, si toi aussi tu ne portes pas les caleçons comme elle. Mémé, ne dis pas qu'elle t'a abandonnée. Je reviens à toi, je reviens à toi. Mémé, donc sois un peu patiente et tout. Je reviendrai à toi quand j'aurai fini avec Rêve. Quand tu étais à Kribi, tu as connu combien d'hommes là-bas? Tu as perdu ta virginité à Kribi ou c'était sur la route de Douala dans le cadre de transport quand tu partais à Douala? Si ce n'est pas discret, tu peux me dire combien d'hommes tu as connu dans ta vie? Rêve, quand tu travaillais à la Croix-Rouge, quand tu travaillais là-bas à la Croix-Rouge, là, tu faisais l'amour avec ton patron au bureau ou tu faisais ça qu'aux toilettes quand le bureau se fermait? Tu sais que tu m'avais dit que tu m'avais rencontré dans une agence
de vente de billets d'avion au Cameroun. Quand tu m'avais suivi là, je t'avais pas, il t'avait refoulé parce qu'il y avait un gars qui m'attendait déjà à l'hôtel. Donc je ne pouvais pas t'amener pour qu'il y ait coïncidence. Bon, c'est pour ça, ne te fâche pas qu'il t'avait refoulé le jour là parce que tu voulais vraiment venir Nias avec moi le jour là. Mais quand j'étais dans une autre gars qui m'attendait dans ma chambre d'hôtel, je ne pouvais pas faire autrement. Bon, quand il t'a dit tantôt que j'utilise que ma langue, donc il faut que je prenne tout mon temps. Voilà. Donc, voilà les un tiers des questions. Voilà un homme, voilà un oubi au quartier. Un samedi soir, quand les hommes sont en train de découper l'un gars. Comme les hommes sont en train de découper l'un gars. Voilà, en de yes. Le voilà au quartier. Un samedi soir, sa femme est là-bas, madame la régie, elle a la main sous le menton. Le voilà que c'est l'émission des femmes entrepreneurs. Voilà l'émission des femmes entrepreneurs avec un homme, un woubi au quartier. Un déchet comme ça, une connerie comme toi. Toi, le vieux machin de la Suisse là, hein? Un vieux truc comme ça, un arbre en état de décomposition debout. Toi, tu parles que les femmes ont publié les femmes là. Maman, nous les femmes là qui publions la nuit des femmes là, on dépasse ta femme. Voilà. Nous les femmes là qui publions les nuits des autres femmes comme nous là, nous dépassons ta. C'est-à-dire que la momie que tu as chez toi là, et que la mousse à Kalia, et que le pot de fleurs que tu as chez toi là, que tu appelles la femme là, nous la dépassons. Voilà. Un woubi comme toi. Un woubi comme toi. Tu as la maison avec les fingalis au doigt. Tu es parlé des femmes. Là où les hommes sont, on ne te voit, ne vous voit jamais là-bas. Vous les pervers narcissiques de la toi. Là où on parle du sport. Là où on parle politique. On ne vous voit jamais là-bas. Voilà. Mais quand ce qui concerne le caleçon de la femme. Voilà. Toi-même, tu as prié dans la vidéo là que la cervelle la tombe. Quand tu as regardé la vidéo là, 110 fois que tu as regardé la vidéo là, tu priais que la cervelle la tombe pour que toi-même tu vois les autres. Tu as l'autre. Toi-même, tu as prié, tu as fait les signes de croix que la cervelle, la fameuse cervelle blanche la tombe pour que toi-même tu aperçois, toi-même tu prennes un aperçu du zout. Qui va se négliger? Toi-même, tu étais content du service qui était rendu. Et là, moi, pape comme ça là, un woubi comme ça là, hein? Un rat, un pauvre type qui peut louer une allée comme ça pour faire le deuil de son frère. Ton frère était un homme debout, plein de vie. La salle là que tu étais parti louer, la salle de la mendicité que tu étais parti louer pour faire son deuil là, c'était une salle dite de ton frère. Quand tu voyais ton frère debout, on sentait que voilà quelqu'un. Le couloir là que tu étais parti louer pour aller déposer les paillettes de la mendicité au sol qu'on remplisse, pour que tu puisses faire ton show-up dans business class pour aller à son deuil. C'était une salle appropriée. Tu as vu un bambini qui allait louer les conneries là pour faire le deuil. Et que le trou à rat là que tu t'es parti louer, on t'a fait cadeau. On dirait que c'est un truc que tu as fait le abec-abec. Tu n'es entouré que des wolowos. Que des wolowos. Toutes tes femmes là qui t'entourent, c'est des vendeuses de piment. Papa, nous là, qui exposons la nudité des autres femmes dehors, nous femmes là, nous sommes dans la maison de nos enfants. Demande à ta femme de faire pareil comme nous. Que ta femme aille prendre les enfants des gens, les enfants qu'elle a abandonnés dans toutes les villes là-bas en Europe, qu'elle allait prendre, qu'elle allait récupérer et vienne vivre dans la maison avec eux. Elle ne peut pas nourrir un tronc d'arbre comme toi et abandonner ses enfants. Nous qui publions les discours des femmes là, nous sommes dans la maison avec nos enfants. Voilà, ça fait la différence. On ne peut pas être niant dans la vie à tout point. Nous là, on fait du mal en publiant la vidéo des femmes. Mais nous sommes là en train de faire de royalty pour notre famille. Ok? Nous sommes avec nos enfants. Ce matin, j'ai lavé ma fille, j'ai fait tout pour qu'elle aille à l'école. Voilà, j'étais là. Ta femme a abandonné les enfants partout là-bas à Paris. Tu vois, elle attend pas pour aller récupérer son fils qu'elle avait abandonné là-bas. Qu'elle avait abandonné. C'est toi qui viens enlever les fibres dans le ventre des femmes, ça est tellement. Tu veux parler là où on parle? Un déchet comme toi. Un déchet comme ta part, mais ça. Qui t'a envoyé de venir parler de nos histoires? Un woubi comme toi. Dis-nous là où tu es homme. Parce que quand je te vois une. Tu es trop girly. Tu fais trop efféminé pour moi. Enlève les fingalis sur ton doigt. Tu peux chercher le travail. Va travailler.
dois travailler. Tu comprends, non? Enlève toutes les signalis là que tu as au doigt, tes 8 signalis que tu portes là. Va travailler. Un déchet. Tu veux qu'on te manque du respect. On va te manquer du respect. Tant que ton wubisme là te donne la force de venir parler dans nos chers de femmes. Les hommes à protéger slip comme toi. Des hommes à protéger slip. Tu crois que parce que tu discutes l'égalité et moi, tu veux venir me parler, me manquer du respect. Tu crois qu'on est chaud dans d'être belle. Ta femme peut te. Les valeurs que j'ai, ta femme n'en a pas. Voilà. Ok, la beauté, la même la beauté physique. Ta femme n'a pas cette beauté physique. Elle est nulle. Elle ne connaît pas s'exprimer en français. Elle se lève là, comme si la belle avait mordu ses lèvres. Ta femme est belle dans quoi? Elle peut sortir de Facebook sans le filtre. Une illettrée comme elle. Elle ne connaît même pas ses écrits. Son œil fait quoi? Elle nous a porté les tapettes aux pieds. Elle traînait dans toutes les rues d'Allemagne. Une vendeuse de Quetou Pro Max. Ta femme vit de quoi? Elle prend l'argent ou pour acheter tous les cheveux des cadavres qu'elle met sur sa tête là. Elle prend l'argent là où? Elle est déchets comme vous. Coucou maman Ross. C'est comment ma personne? Tu connais apprécier les bonnes personnes? Voilà notre Warriors. Notre cuisinier de tous les temps. Tu es parti chez elle. Elle t'a honoré. Tu as su un jour lui remettre la pièce de monnaie. Et tout l'honneur qu'elle t'a donné, le bon vin, la bouteille de vin qu'elle t'a donné, tu n'as jamais bu ça de ta vie. Et on attend toujours que tu ramènes la bouteille de vin là, que tu t'es parti pas chez Warren. Ramène-nous la bouteille de vin là. Un égoïste comme un pauvre. Ou quand on dit qu'il est parti au chalet dépenser deux, tu n'en as pas. Tu n'en as pas. Parce que si tu es un homme babiléqué, tu devais faire moitié moi. Demandez à tes soeurs aussi de venir chez Warriors. Tu déposais même une partie d'argent chez Warriors. L'honorer aussi. Pas venir avec les fleurs que tu as ramassées en route pour venir lui donner. Et vous savez que ma Warriors ne dort pas dans mauvais rêve. Elle a jeté ça. Ramène la bouteille de vin que tu as donnée. Ramène la bouteille de vin là. Voilà. Tu vas nous ramener la bouteille de ce vin. Ok? Warriors a bien fait d'écarter son image à toi. Tu as les valeurs de Warriors. Tu as les valets de notre Warriors. Tu te dis assis dans un cadre propre, bien aménagé, comme chez elle, le jour que tu avais parti chez elle, le jour qu'elle avait posé les tables et les fleurs, le jour de l'immigration d'Uganda. Tu te dis assis dans une maison aussi propre, un cadre aussi approprié. Tu es là-bas en Allemagne avec tes habits dans le sac de Ghana, Moscou. Dès qu'on cogne à la porte, tu fuis. Tu portes ton sac sur le dos, tu fuis. Parce que là où tu vis, ce n'est pas le chez toi. Ok? Mais arrête de venir nous chouquer le cerveau. Tu n'es pas un homme. Ok, un whoopi. Reviens encore ta mauvaise haleine à distance à parler encore de mes choses. Reviens encore. Un déchet comme ça. Et quand il amène les femmes, les dépendantes affectives, tu les vois là-bas au restaurant. On voit aussi l'autre tenter de raquer le plat d'une dolée. Mais quand ça finit, on remplace. Tu peux dépenser $2000 pour une soirée. Que tu as pris ça où tu ne travailles pas. Tu n'es pas un productif. Tu ne travailles pas, tu ne produis rien. Ok? Allez me ficher moi la paix. Allez vous faire mettre. Des déchets comme vous. Que les mamans. Les vendeuses de piment comme vous. Une bande de wolowos. Toutes les femmes là qui tentent à compter de celles-là. C'est qui est là-bas à Strasbourg qu'on appelle que Patricia la plus grande et carteuse de zut. Elle vend le piment pour aller acheter le poisson. Ok? Si c'est même pas un pêcheur qui a donné le poisson à elle pour acheter son couetou parce qu'il n'avait pas le cash. Tellement le poisson était beaucoup qu'elle a porté le reste, une partie, envoyé ça là-bas chez vous. Les complexées filles Bamileke. Si son frère ou sa soeur Bamileke ne peut pas lui donner le poisson, elle ne peut pas donner ça chez les quoi. Pour qu'elle dise qu'elle est une bonne personne, alors que son couetou est là-bas, ça chauffe en bas. Avec les têtes d'hémorroïdes qu'on a cassé son couetou. Casser son élan derrière, les grosses têtes de chou pendent là derrière. Elle a donné le poisson, elle a donné le poisson. Une bande de vendeuses de piments, de wolowos. Dis-moi qui sont tes amis, je te dirai qui tu es. Tu es un pape, et que tu es un porcelain ou biporcelette. Voilà. Un porcelain comme toi. Tu viens avec ta mauvaise tête, et que un baveur comme toi. Tu viens prononcer mon nom dans tes pipis du chat. Un déchet comme ça. Va faire la moitié avant mon voix. Va niastanga, on voit. Va niastanga, on voit. Va niast, on voit. Va niast.
Voilà un samedi que tu as passé 6 heures de direct au lieu d'aller caresser ton gars. Au lieu d'amener ta femme manger dans un restaurant, et même 4 étoiles, même pas, je ne veux même pas te tenir à l'arrivée de 5 étoiles. Hein? Mais où est l'amener manger dans les restaurants, les buffets que tu amènes, les chinois, les trucs de 8 euros là. Vous rentrez le soir pour vous permettre d'échanger un peu d'air. Non, hein? Tu as passé 6 heures dans un lave à demander la couleur du caleçon de Mbiaye. Que comment les femmes entreprennent. Bon, Rêve Mbiaye travaille où? Elle est entrepreneur, elle travaille où? Quel est le nom de sa société? C'est là qu'il y a un couloir aussi là-bas en France et tout. Avec deux bouteilles de vin accrochées, elle vend le coup derrière. Hein? Elle vient faire le blanchiment d'argent de la vente de son cou. C'est là avec son visage qu'on appelle qu'elle m'aimait. Avec son visage comme c'était l'argent qu'on avait battu comme ça et formé un masque avec. Des saletés comme. Venez voir leur vraie couleur dans le live. Allez voir leur vraie couleur dans le live là. Hein? Le voilà. Quel est ton caleçon préféré? Quelle est ta couleur de ta. Tu aimes les hommes clairs de peau ou tu aimes les hommes noirs de peau? Voilà. Le voilà le rôle des entrepreneurs. Que les femmes entreprenantes. Comment les femmes entreprenantes comme vous peuvent être seules? Il n'y a pas les hommes. Et elle disait que les hommes sont complexés par elle. Des conneries comme toi. Mais là, tu marches, les mouches te suivent. Tu connais te laver. Voilà ton lit qui est en fond de carreau avec ton fameux rideau. Voilà ton lit. Voilà le lit sur lequel tu nous t'assois pour nous parler tous les jours, pour nous insulter. Eh, hey, tiens ma fuck. Saleté. Connerie comme vous. Vous croyez la votre indignation sélective, quand c'est l'autre. Je ne vois pas, elle ne se ressaisit pas. J'espère qu'elle a compris la leçon que je lui ai infligée. Son péto va venir. Et c'est comme ça. Dans tous les sens, dans la baignoire, sur le mur, tout. Ça va atterrir. Voilà. Allez pleurer loin. Connerie comme qu'elle a payé tout. Celle-là qui est là-bas, la reine de 22 novembre, là. Hein? Elle n'avait pas mis le péto de sa soeur ici, là. Avec 4000 personnes, ça me dit après-midi, en live, Facebook, là. Vous lui avez fait quoi? C'est pas elle que vous plaît, c'est qu'elle a un la légende, la légende. Même si vous mettez pour devenir légende, je vais seulement faire. Tout chemin mène à Rome. Si j'attrape vos couetous, vous les gens de la télébrie là, je vais mettre dehors. Comment demain vous allez aussi m'appeler que la légende? Parce que voilà ce qui vous fait prémisser cela. La légende, la légende, la légende, la légende, la légende. Non, parce que la personne a partagé le couetou des gens dehors. Moi, je vais partager. Voilà, elle est un exemple à prouver. Je vais suivre ses traces. Voilà, c'est le Game of Thrones. Moi, je vais suivre ses traces jusqu'à aller là, aboutir là où je vais aboutir. Voilà. Et l'autre là-bas, elle est dans le noir, en train de vendre le piment. C'est là qu'elle appelle un gomorpion. Hein? Ça a la saleté sur elle. C'est là qu'elle a les odeurs corporelles comme ça. On lui demande de se laver avec le vinaigre et le machin là qu'elle appelle la bicarbonate et le citron. C'est elle qui part dans la maison de la vente du piment. Elle éteint la lumière. Là, voilà dans le noir d'un client à l'eau qui était. Un ganja, tu n'es rien. Un ganja, tu n'es rien. En train de se faire baiser par des hommes qu'elle ne connaît même pas dans la vie. Les femmes qui prennent les 20 clients par jour. 20 hommes différents par jour. Je n'ose même pas imaginer. Pour moi, c'est un traumatisme psychologique. Ganja, avec la lumière éteinte. Ganja. Après, quand tu vas le téléphone de la vente du piment va sonner, elle va couper le live pour accueillir le client. Et on vous a accordé ça à chacun sa vie. Mais écrivez d'abord l'annonce qu'on doit faire. Écrivez votre annonce de décès avant de partir maintenant. Parce que dès qu'on vous tarde, et que la clé 14 de ça, on pense seulement la vie de décès là que vous avez écrit de partir. On lit ça et on passe à autre chose. Voilà. Faites votre annonce, écrivez votre annonce de décès avant de partir vendre le piment. Parce que le tueur en série, là, on n'a pas encore arrêté ça. Vous avez l'île. Vous passez le temps à dépuceler les petits enfants dehors, les enfants des gens. Allez dépuceler les vieilles mères comme ça que vos enfants ont honte de vous. Vous partez vous cacher dans le vent, vous pouvez parler des gens qui vous dépassent. Une femme qui écarte ses pieds comme ça là partout à tout temps. Ça quoi dire que les autres femmes, et toutes les femmes qui t'entourent, les vendeuses de piment Pro Max. Et que les vendeuses de piment, toutes les filles là,
Rêve dit qu'elle pas laissé l'enfant à la crèche. Pour venir faire quoi? Mais pourquoi elle ne vient pas nous parler de son business? Pourquoi on l'encourage sur les réseaux sociaux? Elle parle d'elle, elle vient vendre le piment chez elle. Voilà son lit, hein, les gens. À l'extrême gauche là de moi, je ne connais pas, avec les rideaux là. Voilà le lit. Avec la couverture là, c'est son lit. Voilà le lit sur lequel elle nous parle. Il n'y a même pas la chaise chez elle. Mais c'est elle qui demande à ma pépé d'aller acheter la chaise en cuir pour mettre chez Gabi. Comme si c'est chaise qu'il allait chez lui là, lui leur donner les démangeaisons là-bas. Voilà le lit pourri, avec les draps pourris. Un carré comme ça, une entrée couchée. Mais c'est comme des bavés dans la vie des gens qui la dépassent. Eh, tiens ma fort. Le jour que tu vas sortir de la tombe là qu'on t'a donné dans le mal, reviens me parler. Parce que le couloir dans lequel tu es là, pour moi, c'est la tombe. Voilà. Le jour que tu vas vivre dans un cadre de sang, reviens me parler. Le blanc t'a chassé. La maison que tu parlais, c'est là pendant 2 ans. On entendait les voix, ouf, la grosse maison là. On t'a chassé. Tu vis au foyer. Voilà où tu vis maintenant. Même les rideaux en disent loin. Quand elle est venue nous parler, quand elle parlait, tu parles aussi. Déchets. Tu es pas là une travailleuse comme moi. Moi, je travaille, moi. Ok? Moi, j'ai d'autres valeurs. On n'a pas les mêmes valeurs. Voilà. Tu ne peux même pas. Tu ne peux pas. Voilà ta soeur là-bas, elle pleure par Fodja. Qui aurait cru? Elle pleure par Fodja. Elle ne parlait pas de lui. Le traumatisme. Il avait parlé de lui un peu. Il avait parlé de lui. Maman, à quel âge? Tu crois que comme tu crois que tu es belle, tu crois qu'un homme va te laisser, va laisser les filles de 25 ans pour venir prendre les vieux sacs comme vous l'appelez là-dedans, les sacs pour laver l'ondolin, et que les vieux sacs là qu'on écrasait les dollars, qu'on tapait l'ondolin. Maintenant tu es considéré comme un vieux sac là qu'on a lavé l'ondolin, il y a même 2 tours. Tu vois que les hommes ont laissé les fraîchis, les filles de 25 ans, de 8 ans, pour venir voir une grosse mère comme ça assise là-bas à Rouen. On parle avec toi. Ton temps est passé. Ne pense pas que tu as quelle valeur. Le jour que l'on va te rencontrer, tu fais quoi dans la vie? Il y a des blogueurs. Il m'a dit next. What? Are you fucking kidding me? Il y a des blogueurs. Connerie comme ça là. Allez voir Emmanuel Keita. Hein? Va voir Keita en Côte d'Ivoire. Tu viens là baver. Après, tu te souffres. Tellement la fumée de la cigarette, tu ne peux même pas parler. Elle est pervers narcissique. Elle est pervers narcissique. Alors que toi-même, tu es une perverse narcissique. Tu as vécu avec un homme dans la maison pendant 13 ans. Tu ne lui avais jamais été fidèle. Jamais. C'est-à-dire que toi-même, tu as des troubles de mentalité. Tu es une perverse narcissique. Et la définition que tu as donnée hier, ce n'était pas ça. Voilà. Ce n'était pas ça. Donc, rentre encore faire tes recherches. La définition, c'est vrai que tu ne peux pas parler de ce sujet-là mieux que moi. Toi-même, tu es une perverse narcissique. 13 ans dans la maison, tu n'as jamais honoré un homme qui t'a tout fait. Un homme qui a tout fait pour toi. Un homme que tu dis soi-disant que c'est le père de ta fille. Tu le dénies, tu l'as torturé. Tu vois donc qui va encore t'aimer? Qui va t'aimer? Il dit que ta chute là, ça va venir de par Fodja. Parce que nous-mêmes, maintenant je te déteste encore de plus. Parce que j'ai vu que cet homme-là était toujours bien avec toi. Mais comme tu veux le dénigrer là, je pense à mes frères qu'une sorcière comme toi, une sorcière comme toi, ok, peut tomber sur mes frères. Parce que j'en ai 3. Une vampire comme toi. Voilà. Tu viens l'humilier. Après d'avoir travaillé sur ta fille. Voilà l'enfant qui est calé dans la maison avec toi. L'enfant est en seconde. Tu peux faire un devoir. Donc quand tu veux vouloir appeler Farah par Fodja. Le chogard de doigt là. Hein? Le chogard de doigt. Tu dis qu'il est illettré. Il ne peut pas travailler. Il ne peut pas écrire. Toi-même, tu as fait 13 ans avec lui. C'est-à-dire que vous vous êtes rencontrés. Dis-moi qui est ton ami, je te dirai qui tu es. Ben, si tu es avec lui, c'est-à-dire que tu as fait 13 ans avec lui, il t'a déshabillé, il t'a nioxé dans tous les sens. L'homme là, le temps de l'homme ne passe jamais. C'est celui de la femme qui passe. Pourquoi vous pouvez prendre une fille de 15 ans, il l'épouse. D'accord, il a le bout. Ses poches pèsent. Il peut aller même en dessous de l'âge normal. Il prend. Mais toi, tu as d'abord l'argent pour qu'un gigolo vienne t'assumer. Tu n'as pas l'argent. Tu crois que si tu étais normal dans ta tête là, si ce n'était pas la force du cuir, c'est que tu peux venir en mode vision, raconter tout ce que tu racontes. Tu déprimes ma belle. C'est la dépression. Tu as des troubles de personnalité. Va prendre soin de toi. Ok? En Isoké,
to step back sometime and take time off for yourself. Tu as un problème dans ta tête, tu es dépressif. Va prendre soin de toi. J'ai pitié de ta ténébrie, les conneries là, qui veulent te donner l'argent, alors que la moitié de l'argent là part là-bas à Yopougon. Tu as fait quoi de bon de ta vie? Tu as de parler, vociférer sur la vie des gens qui te dépassent. Tu as fait quoi de bon? Tous les états qu'on te donne, tu as fait quoi? Ta vie a changé sur quel plan? Même ton loyer, tu ne payes pas ça tant. Un homme qui était là pour toi, un homme que tu considères comme le père de ton enfant, tu as oublié de venir parler de lui. Parce qu'il a trop supporté. Tu as toujours parlé d'eux. Tu les jettes souvent les diables comme ça. Tu les jettes toujours les pics. À chaque fois. Parfois, pour qu'il parle l'autre jour là, il a vraiment serré son cou. Ok? De revois-toi. Tu n'auras jamais raison de pas fondre devant sur l'autre monde, le monde de Mbrakata. Parce que nous, on sait qu'il a été vrai avec toi. Tu n'as jamais été vrai avec lui. Et c'est toi qui nous as fait savoir cela. Cet homme a été toujours vrai. Tu as tenté de sortir sa vidéo que tu as jeté ses habits dehors. Tu as quitté les réseaux sociaux. Sors un jour la vidéo d'humiliation de Parfodja. Sors une vidéo pour l'humilier. Tu as quitté des réseaux sociaux. Parce que nous tous, nous savons qu'il était vrai avec toi. Voilà. C'était un homme. Il n'était pas soumis. Mais il y a des hommes comme ça qui prennent soin de leur intérieur. Quand j'étais pas en train de laver, en train de crier le dimanche, il était là, laver la maison, l'eau de javel partout, laver les douches. Et quand papa dit que tu as laissé la porte de la douche ouverte, l'eau de javel là sang, hein. Ça sent, faut fermer la porte. Tu as lavé les fingalis sur ton doigt, avec tes doigts de fée là et tout, les longs machins là que tu as posé tes doigts. C'est lui qui est là, après avoir travaillé en semaine, c'est lui qui vient, alors que tu ne fais rien. Normalement, quand tu sais que tu as ton homme, quand c'est ton homme qui provide, quand c'est ton homme qui travaille, tu dois faire ton grand ménage le vendredi. Comme ça, le dimanche, le samedi, quand ton homme est à la maison, vous enjoyez seulement, vous enjoyez entre vous. Mais c'est lui encore. Toi, tu restes à la maison à parler avec tes hommes en longueur de journée. C'est lui qui vient encore le week-end laver la douche. Ok? Il n'y a aucun homme qui peut rester avec toi. Je ne connais pas si c'est la valeur là que ta mère t'a donnée ou bien tu n'en as pas reçu. Pourquoi ta soeur et toi, vous n'avez pas d'homme? Pourquoi vous n'avez pas d'homme? Pourquoi aucun homme ne vous assume avec vos bouches là comme pour les manger des chairs humains? Donc, il venait parler dans les chairs des gens. Quand la nudité. Pourquoi tu ne te plains pas de ta soeur qui avait mis ta part avec 4000 personnes en Facebook Live un samedi après-midi? 4000 personnes étaient dans ce live là. Un samedi après-midi, je n'oublierai jamais ça. Je ne parlais plus de ça. Hein. Oh. Non, c'est pour tâcher la cornichon là, avec la serviette blanche sur elle. Tu es parti soulever dans la vidéo, tu es parti soulever la serviette là. Tu as vu son couteau ouvert comme pour toi. Ok? Vous allez vouloir transformer les choses. Mais il n'y a pas une nudité dans cette vidéo. S'il y avait une nudité, je n'aurais jamais publié cette vidéo là. Il n'y a pas de nudité. Allez pleurer loin. Voilà. Des conneries comme toi. On t'a publié ça et ton élan est cadé comme ça là. On voyait tes trois trous. Ok? Avec 4000 personnes connectées un samedi après-midi. Pourquoi tu ne parles plus de ça? Pourquoi? Ah, donc parce que c'est la légende. Moi-même, tu veux qu'on m'appelle légende. C'est pour ça que je vais faire du sale jusqu'à arriver aussi là où elle est. De rien, si tu n'as pas là, je cherche encore tes vieilles vidéos de la quand tu avais publié, je vais republier ça. Si tu attrapes la vidéo là, je republie ça. Si tu n'as ma part, mettez aussi. Avec pour mes enfants. Si vous avez ma part, mettez aussi. Je ne vous gère pas. Mettez pour moi les déchets comme vous, l'indignation sélective. C'est quand ça vous arrange. C'est quand ça vous arrange. Quand on a publié mon adresse ici, elle a légende en bas. Tiens ma fuck. Elle est en bas, elle est venue te chercher. Descends, vous luttez. Descends. La mafo est venue te chercher. La mafo. Connerie. C'est quand ça vous arrange. Que Tatiana ne se ressaisisse pas, c'est elle qui aura les yeux pour pleurer. Et quand on l'a vu hier là, c'est comme si elle avait rencontré Mike Tyson sur son chemin. Le visage était bien enflé. Elle a bien pleuré. Voilà. Qu'elle revienne encore avec le nom de Pepe Chimaleba. Qu'elle revienne encore avec le nom de Ma Pepe. Tout chemin mène à Rome. Je n'aime pas l'injustice. Il va te taper. Maléba, il va te taper. Si vous avez publié la vidéo, vous devez acclamer.
Mais la vidéo, elle est parlée très vite, comme sa vidéo avec la serviette blanche. En 30 minutes, la vidéo, elle est la pâte, il y en a plus de 200 pâtes. Donc la vidéo de la serviette blanche est allée très vite. Voilà. C'est ça qu'on appelle le game. Ne venez pas mal avec moi, je finis avec vous. Même pour vous tomber dans la main, je mets ça dehors. J'ai beaucoup de pages comme ça. Vous ne connaissez même pas le nom de mes pages. Des chiens comme vous. Quand c'est en haute faveur, c'est là qu'on appelle que la monnerie, le sosie de Mike Johnson qui est en haut de mon fond d'écran. Chaque fois, elle prend le temps à serrer ma pépère. Vous allez dire quoi? Elle vient créer un blogueur alors qu'elle n'a pas de contenu. Elle n'a aucun contenu. Tu ne peux pas prendre la sueur de quelqu'un pour te faire de l'argent, pour te faire de la thune et te moquer de tous les jours. Elle a dénigré, elle a chosifié. Who does that? Hein? Il faut la voir quand elle était assise sur le pied de Jessica. Elle est partie rapidement pour prendre les restes de la Star Lady. Hein? Elle est partie dans une maison là-bas, là où la Star Lady était, là où, dans une cave et tout. Hein? Même Jessica ne pouvait pas se tenir debout dans la maison. Tout le temps, il était couché au sol. C'est vrai qu'il aime parler dans les choses des gens qui la dépassent. Mais quand il faut harceler les gens, vous ne savez pas, vous croyez que c'est la publication de soi, de vos histoires que vous appelez que soi-disant de la plus, de la nudité qui peut tuer quelqu'un. Vous ne connaissez pas que l'harcèlement tue. Vous ne connaissez pas que harceler quelqu'un dès Anna et ça tue. C'est la première cause de suicide sur les réseaux sociaux, l'harcèlement. Vous ne voyez pas ça. Partez dans vos pages. Quand vous avez pris la vidéo de l'accident que l'eau chaude avait brûlé ma pépé ici là, avec le soutien sur elle, vous n'avez pas publié ça. C'était pas l'intimité aussi, hein. Vous n'avez pas vu son sein sur ça. Quand vous avez publié sa vidéo là où l'eau chaude l'avait brûlé là, elle était en soutien. C'était pas aussi la publication de l'intimité de quelqu'un, hein. C'était pas aussi l'immunité de quelqu'un. C'était pas ça. Les pleurs de ça. C'est que j'ai une nièce qui est mon gars jusqu'à... Vos pleurs là me stimulent. J'ai une nièce comme ça là. Mes fesses me font mal. Justement assise un côté sur la chaise. Voilà. Tellement la nièce avait un goût qu'elle pensait avoir crié à ma personne. La nièce de ça. Mais mon gars était tenu que... Mais quels sont ces écartements là et tout. J'ai failli l'étouffer dans le lit. Elle est pleurée loin. Connerie comme ça. Quand on a pris les vidéos, même les vidéos de ma pépé, quand elle avait eu son accent, son front, elle avait cogné son front, qu'elle avait encore les cheveux courts là. Allez ouvrir la page de Raven Diaye, c'est ça qui est son écran. C'est ça qui est son écran. Même si quelqu'un dit qu'elle a été victime, ok, de la violence conjugale, vous allez aller prendre ça pour mettre sur votre page, pour la traumatiser tous les jours. Hein? Pensez et revoyez-vous d'abord avant de venir traverser mon périmètre, mais je finis avec vous. Revoyez-vous. Les déchets comme ça, c'est quand ça vous arrange. L'indignation sélective. Quand c'est les patchs, c'est fait du cheval. Je vais. Toi là, Esther là, ne viens pas mal. Ah, ne viens pas mal. Parce que moi, je connais mes choses. Parce que ne fais pas que le live finit, mais avec toi. Ne viens même pas mal. Voilà. Allô? Il y a une qui a voulu monter là. C'est en train de tourner, ma belle. C'est pas ça, rejeter. Elle joue en cours. Hein. Sors, tu reviens. Parce que ça a mis long. Ça veut dire que peut-être tu ne vas pas rentrer. Sors, tu reviens. Voilà. Sors, tu reviens. Ça dit, ça t'a pas. Sors, tu reviens. Voilà. Non. Quand c'est pour les autres, ah, c'est la mafo, la mafo. Elle descend la mafo en bas de ta maison. Quand elle a publié mon adresse une semaine avant de venir aux États-Unis, et c'est vron simite qu'elle a publié mon adresse, écrit mon adresse pour la première fois dans le lab de Pasto. Je ne l'ai pas vu s'indigner par rapport à ça. Alors qu'il a joué depuis vendredi qu'il a publié la vidéo, là, il a joué au moins 110 fois ce week-end avec la vidéo là. Voilà. Viens d'avoir avoué tes séances de la masturbation que tu as joué avec la vidéo là, ok, pasto? Viens d'abord dire comment tu as failli casser ton cou là où tu te baisses comme ça pour voir en bas de la serviette là. Et connerie comme ça là. C'est quand ça vous arrange. Viens nous dire comment
Quand tu t'es masturbé dans ton canapé et ta couverture, Yves Saint Laurent, viens nous dire combien de fois tu t'es masturbé sur Ukraine avec la vidéo là. Là, combien de fois tu t'es baissé comme ça là, pour regarder en bas de la serviette? Quelle est la lentille, la nudité? La serviette est tombée quand? Vous avez vu, il y a quoi en bas? Quelle est la nudité? On parle de la nudité quand quelqu'un est emballé avec la serviette? Et connerie comme vous. Et connerie comme vous, quand ça vous arrange. Quand on est parti agrandir mes photos ici là, on avait dit qu'on venait, on est parti à la télévision avec de Facebook. Oh, il n'y a pas aidé à l'État-Unis. Il vient plaquer sa photo. Il vient plaquer partout. Vous avez applaudi. C'est la légende. La légende est en train de venir aux États-Unis. Tu vas lire. La légende est en route. La légende et la saleté. OK? Comme cela ne suffisait pas, la bêtise a insisté. En venant show up chez moi, tu as eu ta chance le jour là. Ça a été de tourner ma belle. Ça tourne, hein? Je sais pas. Mais là, il faut insister hein, parce que ils ont tellement signalé la page et tout. Voilà. Qu'on a eu comme vous. Quand c'est pour vous là, non, hein? Il faut insister. Ça n'a pas pris, hein? Ça a tourné longtemps. Il faut insister plus ça. Ok? Il faut descendre la légende de la lettre. Tchama fuck a fui le tcham. Tchama fuck. Vous croyez que l'intimité, c'est toujours l'intimité physique? Ok? Il y a aussi l'intégrité des gens, hein? Ok? Ils se disent, mais c'est pas le temps là qu'elle vit avec l'enfant. Et tiens, ma fuck, c'est là que la paix que Marthe Pondja, elle s'est narrée remplie de mauve dedans. Et c'est vrai que ta fille Zoé là, ta fille, que l'on t'emporte, déchet. Je donne des valeurs à ma fille. Ma fille ne viendra jamais à mon vision pleurer pour un homme. Voilà. Jamais. Quand la légende avec ses fesses du cheval, était venu ici là chez moi, tu n'as pas pensé en ce moment là qu'elle était devenue m'agresser à la maison alors que je suis à la maison avec un enfant. Tu n'as pas pensé à ça en ce moment là. Et vous avez dit que ma vengeance mange comme un plat congelé. Je ne vous gère pas. Continuez à parler. Moi, je cherche aussi la place de la légende. Donc tout ce que la légende a fait pour arriver là où vous l'appelez que légende là, moi-même je ferai la même chose. Moi-même là, je suis en train de faire la même chose pour arriver là. C'est le Game of Thrones. Je vais faire la même chose pour arriver. Parce que ce qu'elle a fait, vous la plébiscitez. Je n'ai même pas encore commencé. Et tiens, il y a une niasse avec vos cris là dans mes oreilles ce week-end. J'ai bien niasse. Ce matin, j'étais obligé de faire un bain vaginal à la vapeur. Pour que mon toddler rentre encore dedans. Mon gars, il a frotté ça. C'était sorti, venu, ça a touché mon slip. Il fallait que je fasse un bain à la vapeur pour que ça rentre dedans. J'ai nia jusqu'à là où je suis assise. J'ai la paix. C'est comme si j'ai perdu même 5 kilos ce week-end. Allez pleurer loin. Quand vous pleurez là, mes pieds sont encore au plafond. La niaise de ça. Toutes les poules. Et même si mon gars a demandé l'élan, il allait donner ça. Il allait déchirer ça. Il allait rester là-bas dedans. Voilà. Tellement que je pense à vous. La stimulation de ça. Et que la stimulation de ça. Voilà. Christian, c'est comment? Il dit que même s'il fallait qu'il déchire le derrière là, tellement triste, il dit qu'il est lubrifié, tellement pensé de vous. Il m'a pédé que tiens ma force, la contenance. Et que la cible, et que c'est le cuir qui coulait là-bas. C'est le cuir, et que le lubrifiant là qui coulait à moi, c'était que le cuir. Donc même si mon gars devait casser le derrière là, il n'avait pas besoin de quelque chose. Pas besoin de lubrifiant. Il prenait seulement le cuir là qui coulait à moi. Il allait faire le travail avec. Voilà. Ce matin, il a été obligé de faire un bain vaginal pour que mon taux rentre encore dedans. Et dès que c'était versé qu'au sol. Quand je me suis levé ce matin pour aller faire bibi, je croyais qu'il avait retrouvé ça au sol. Connerie comme vous. On parle avec les déchets comme vous. Voilà. Là, ce que la légende a fait, pourquoi vous l'appelez que la légende là? Moi-même, je vais faire la même chose pour devenir légende. Allez pleurer loin. Merci, Denisa. Voilà.
soutiens totalement ma pépé. Soutiens et qu'elle dort, je dors avec elle. Vous ne pouvez pas encercler une femme comme ça. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas. Vous n'aimez pas, vous ne laissez pas. C'est comme ça que cela ça se lève comme si elle mangeait la chair humaine. Eh, c'est là qu'elle m'a incité. Elle a dit ceci dans sa page. Elle n'aime pas. Mais ils connaissent tout ce que j'ai dit ici là. Mot par mot. Je dis qu'on peut être obsédé par quelqu'un comme ça là. Les masos comme vous. Je vais nier ça dans vos esprits jusqu'à... Voilà. C'est le cuit qui coule en ce moment. Tellement la lubrification est intense. Ça se transforme en cuit. Et mon gars nia ça bien. C'est pour ça qu'on a tellement nia ça avait le cuit qui coulait à moi qu'après, mon tôt était que versé au sol. Tellement il sentait pas la douleur. Allez pleurer, je ne vous gère pas. Avec vos visages de cadavres là. Je ne vous gère pas. Voilà. It's always two ways to learn. The easy and the hard way. Si celle-là va comprendre the hard way, elle va comprendre. Elle est venue là, il y avait son visage enflé comme ça, qu'elle a pas déveillé dans la bassine. Tu sentais qu'elle a pleuré. C'est bien fait pour toi. Viens encore, ta langue remplie dans la bouche. Maléba, maléba, elle t'a tapé. Maléba. Ils n'ont qu'à signaler, pas avec les pipis du chat là. J'ai beaucoup de comptes comme ça. Portez ça, vous partez avec des déchets. Vous pouvez partir, vous voyez ma page, je suis aux États-Unis. Hein. Voilà. Voilà, nique ta mère. C'est comme ça. Jusqu'à celle-là qui est au Cameroun en train de se laver derrière les tôles rouillées. Elle pas fait la vidéo qu'elle peut pour condamner Michel la milliardaire. Elle a encouragé qu'on a bébé la femme. Elle a encouragé. Alors que toi, Mbopi, toi qui es au Cameroun, tu ne connais même pas quand tu vas sentir l'odeur de mec. Tu te laves encore derrière les tôles rouillées là-bas au Cameroun, dans les seaux cassés. Ok? Toi, ce n'est pas toi qui écarte le zoom de chin-chin pantalon, la pisseuse ici là, pour nous montrer comment quand elle avait pissé dans le pantalon jean bleu là. Ce n'est pas toi qui écarte ses fesses comme ça là, dans tes lives. Tu ne la mettais pas, tu ne mettais pas sa photo en fond d'écran. Tu écartais ça comme ça là, vous l'avez fait pipi là. Vous oubliez vite. Hein. Que l'eau vous emporte des déchets comme vous. Je n'ai même pas encore commencé le traumatisme de ça. Tu es là-bas Cameroun avec ton vieux visage qui est en train de s'écrouler et tout, tu peux même prononcer. Tu sais que j'ai fini avec toi. Une fille qu'on niaise derrière la moto, le finger de ça, le cousin de bien, son cousin a failli perdre ses doigts dans tes fesses derrière la moto. Là, il t'a déchiré le chouk en passe de ça dans la moto. Et quand l'audio de ça, Allah, tu veux me baiser. Donc tu veux seulement me baiser ce soir-ci là. Donc tu veux qu'on baise ce soir. Le gars dit que mais tu veux ou tu ne vas pas, je suis fatigué, voici la moto. Tu viens avec, on pagnasse ou pas. Donc allons baiser alors, c'est ce que tu veux. Allons baiser. C'est ça qui est venu pas. Une saleté comme toi, avec ton caleçon déchiré marron que tu avais oublié là-bas. Une sale chose comme toi. On t'a amené aussi, tu vas venir au 22 novembre ou pas. Tu viendras au 22 novembre ou pas. Elle a encouragé. Mais quand c'était pour Ndolo Moulema ici, vous avez encouragé qu'on saute tous les oignons sur elle. Quand c'était pour Ndolo, il fallait, vous avez applaudi qu'on saute tout sur elle pour que vous preniez ça pour utiliser ça contre elle. Des conneries. Vous ne pouvez pas faire votre connerie là avec moi. Allez pleurer loin. Tu es là avec ton visage comme ça, comme si tu es une déshydratée comme toi. La famine de ça. La famine de ça. Tu ne parviens même pas à manger tes trois repas journaliers par jour. Le soleil t'a calciné comme ça. Tu t'as desséché comme ça, là, comme un arbre du désert. Elle est venue parler dans les choses des Benghis comme nous. Et connaissant, t'as promis qu'elle va, quand elle vient au Cameroun, elle te rencontre. Elle va voir sa photo qui va apparaître ici, là. Quand elle vient au Cameroun, nous, il dit que c'est la clé 14 qu'on a mis dans son cou. Elle va marcher maintenant comme nous on veut sur les réseaux sociaux. Qu'elle tente de mettre ses pieds. Ça, elle a dit qu'elle devait aller à cuisse ouverte pour parler. Mais ça, à cuisse ouverte, était partie m'insulter là-bas chez Pasteur. Que cela va venir parler. Pourquoi elle n'est pas allée parler là-bas à cuisse ouverte? La clé 14. Et qu'elle le choque de ça. Elle serre
regardez ça comme ça. Le nez est bien ficelé. Quelle tante est devenue au Cameroun, là, je vois sa photo avec toi. Elle va voir quoi, ce qui va apparaître sur ma page. Le aide-moi à détester de ça. Quelle tante, comment elle a dit qu'on a empêché que ses enfants ne deviennent prises. Elle va rester à la maison, s'occuper de ses enfants et leur donner de l'éducation pour qu'ils parviennent à devenir des présidents, comme elle a dit. Demain, ok? Ce n'est pas ce pavanant aller chercher des trucs pour les aide-moi à détester, ok? Voilà. Elle va rester à la maison s'occuper de ses enfants-là. Et elle n'a même pas le contrôle sur ses photos qui sont dehors. Une jonquille comme ça. Faut voir l'autre comme ça. Elle avait bu comme ça. Elle a vomi sur elle au sol. Faut voir comment elle a fallu là-bas comme un bœuf mort. Une déchette. Tu as quelle valeur? Quand elle venait parler, hein? Maléba, Maléba, il va te taper. Quand tu vas venir ici à Ouan, il va te taper. Tu vas, il dit que tu vas parler. Tu vas seulement la taper. Tu ne peux pas dire que je ne peux plus moi te taper. Oh. Je ne peux plus moi aller en prison. Je sais que tu es anémié. Je ne peux pas moi. Si on tape quelqu'un en Europe. Ah, donc tu venais seulement faire le tchouka du cerveau quand tu le disais. Tu vas seulement la taper. Tu vas la taper. Et quand je vois ta galerie de tes photos que j'ai dans mon téléphone, j'ai l'embarras du choix. J'ai l'embarras du choix. Voilà. Tu vas, que tu vas rester à la maison. Donner l'éducation à tes enfants pour qu'ils deviennent des présidents de la République. Comme tu as dit. Je ne veux plus que tu te pavanes. Ressaisis-toi. Voilà. Tu balais le sol à l'hôpital comme tu balais là. Ok? Voilà. Do something with your fucking life. Ne prononce plus, maman Pépé. Ne prononce plus. Chaque fois qu'elle est au Cameroun, vous lui pourrissez la vie. Chaque fois. Qu'elle entre dans la joie, dès qu'elle a atterri au Cameroun, c'est là où tu réapparais encore sur les réseaux sociaux. Parfois, on t'oublie. Pourquoi tu n'es plus allé chez, pourquoi tu n'es plus allé chez le, l'autre là qui veut savoir les madras là? Ta soeur, parce que tu as défié là-bas, une carte tout, non? Pourquoi tu n'es pas allé chez lui qui veut avoir les madras comme nous là? Pourquoi tu n'es pas allé là-bas? Tu vas voir. Vous croyez que c'est facile? Vous parlez que vous dites que c'est la serviette blanche qui peut tuer quelqu'un parce qu'on a vu quelqu'un dans la serviette blanche. Moi, quand je suis chez moi, c'est là quand le postman continue sur la serviette, j'ouvre la porte. Ok? Si mon voisin collègue sur la serviette, j'ouvre la porte. Ok? Il n'y a rien. Il n'y a rien de grave qu'on soit en serviette blanche. Voilà. Elle vient là, elle se fait plat comme ça. Vous voyez comment elle marche comme une tueuse avec la serviette là. C'est qu'elle n'est pas un maléba. C'est qu'elle vient avec sa langue remplie dans la bouche. Tu me filmes, ne me filme pas. Tu me filmes. Elle voilà. Une chèque avec la barbe qui coule de sa bouche. Elle peut aussi prendre son téléphone. Elle fait comme ça. Maman, sors-nous la vidéo de la personne que tu avais filmée. Sors la vidéo du client. Nous, on veut voir la vidéo du client là. Tu t'avais ton Congolais qui est dans mon. C'est pour ça que tu ne peux pas mettre la vidéo là dehors. Sors nous la vidéo du client là, nous on veut voir. Tu es venu avec tes coucou doigts là. Ne me filme pas. Tu vas tu marches aussi. Tu vas prendre. Filme. Et tout le devoir. Tu la vois aussi, elle marche avec ses fesses plates. Elle part à la douche. Tu n'as encore rien vu. Tu as l'île. Tu aurais cru que tu peux venir là avec ton visage enflé là comme tu avais rencontré Mike Tyson. Tu n'as plus dit que petit Maléba, Maléba, je t'attends ici à Rouen. Tu viens voir, on ne t'a pas donné mes échos ici à Rouen. Tu connais ce que j'ai fait aux gens ici à Rouen. Ma couteau, tu vas sortir que le couteau. Tu vas faire à Maléba, à Pepeti Maléba ce que tu lui as promis. Tu n'as pas dit que tu es King Kong. Derrière village se cache village. Voilà. Vous croyez qu'on va laisser l'enfant de quelqu'un, une femme comme ça là, elle est chez elle en train de mendier her own business. Elle même là, c'est pro. Problème. Vous portez encore les vôtres pour venir augmenter sur elle. Elle n'est pas un être spécial. Fichez-lui la paix. Pépé, tu n'es pas un être spécial. Et comme nous autres, elle vit sa vie. Malgré tout ce qu'elle peut rencontrer aussi comme les difficultés de la vie. Ok? Elle n'est pas spéciale. C'est quoi? On ne peut pas articuler une femme comme ça tous les jours avec son enfant. Elle poste, même vu qu'elle avait posté la vidéo de joyeux anniversaire de sa fille, d'autres ont pu critiquer ça. Donc,
comporter de la critique à la vidéo. Ouais, l'enfant, elle néglige l'enfant. C'est pour ça que l'enfant n'a pas les dents dans la bouche. Alors qu'à cet âge, les enfants perdent leur dentition. Non, on ne peut quand même détester quelqu'un à ce point-là. Ficher la paix au chien. Bof. Bof. Connerie comme ça là. Tous les jours. Hein? La légende est là. La légende, la légende. La légende porte la sérologie du maman pour venir poster. Non, c'était pas le secret. Non, c'était pas l'intimité. Coucou maman Carole. Hein, bonjour maman. Non, c'était pas l'intimité. C'est la mère qui était venue parler. C'était pas l'intimité. Elle n'a pas mis le secret médical dehors. Elle a bien fait. Elle a bien fait. Elle a bien fait de publier ça. Elle a bien fait. Boum, Kenava Lille. Ah, et quand même pour Tatiana, j'ai bien fait jusqu'à. C'est bon à moi jusqu'à. C'est comme ça vous arrange. Et qu'on va rentrer. On va rentrer dans les archives de Facebook. On va rentrer dans les archives de Facebook. Quand c'est pour les autres, non, c'est que l'indignation. Mais quand c'est pour une autre, non, 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 non. C'est normal ce qu'elle a fait. La mère de Bunkena aussi, elle parle trop. Sa mère parle trop. C'était bien qu'elle fasse ça, Ish, pour qu'elle quitte dans son téléphone. La maman, elle parle trop. Moi, mais c'était bien comme j'ai publié la vidéo de Tatiana. Parce qu'elle parle aussi trop. Voilà. C'est bon ou c'est pas bon? Aucun regret. Voilà. Tout ce qui ne tue pas renfort, qu'elle aille prendre soin d'elle et prendre soin de ses enfants. Nous sommes fatigués. Avec un nom compliqué, que son nom a au moins 8 lettres. Elle a au moins 8 noms. Son nom prend 2 lignes comme ça. Tout son nom. Toutes ses informations. Une vieille mère née en 82, elle vient s'exhiber sur les réseaux sociaux comme une connerie comme ça. On m'a dit que je suis une lèche-cul. Je suis une contenue, je m'assume. Elle est pleurée loin. Big bâton là, on va péper depuis ta position. Si quelque chose, vous allez traverser mon corps pour faire quelque chose à cette dame-là. Je n'aime pas les juges. Et ce qui vous fait encore plus mal, c'est que moi, la fille graphiste, je vais vous finir. Et quand vous les déchets, Bamileke de la toile, je vais finir avec vous. Je ne suis pas venu sur Facebook pour la réunion familiale. Je ne cherche pas les graphistes. Je suis bien avec qui est bien avec moi. Moi, je suis une féministe. Je n'aime pas l'injustice. Vous ne pouvez pas acculer une personne. Acculer. Et après, on dit que la légende ne parle même plus d'elle. La légende ne parle plus d'elle. La légende ne parle que du 22 novembre. La légende ne parle que du 22 novembre. Alors que c'est elle qui est derrière tout ça. Coucou Lolite. Bisous ma chérie. Alors que c'est elle qui est derrière tout ce que j'ai attisé. Connerie comme ça, pour jouer sur la compassion des gens, pour venir remplir 700 places depuis maintenant un an et demi. 700 places depuis un an et demi. Elle ne parvient pas à remplir une salle de 700 places depuis un an et demi. Que la légende, c'est elle qui opère dans le noir. C'est elle qui envoie ses poules à venir nuire aux gens. Les gens ne peuvent même plus on ne peut même pas boire de l'eau quand ça entre dans nos ventres sur Facebook. Toujours les mêmes gens, les mêmes bêtises tous les jours. Jusqu'à quand? Mais fichez-nous la paix. Merci pour les cœurs, chérie. Lolite. Mais fichez-nous la paix. Bon, allez-moi avec ça. Bon, le 22 novembre, il y aura quoi là-bas? Là, je fonde ma part sur ta part. Tu fonds ta part sur ma part. L'année passée, il y a des gens qui ont perdu leurs orteils là-bas. Il y a des gens qui ont perdu leurs orteils là-bas le 29 décembre passé. Les gens ont perdu leurs orteils là-bas. Cette année, beaucoup vont aussi laisser encore leurs orteils là-bas. Le fou, il n'y a que le serré, serré de ça, le fou de ça. Le fou de ça. Quel est un tabac, un tabac. Moi, je vais partir, je vais partir, les gens vont aller payer les séances de make-up, aller acheter les habits, aller acheter leurs cheveux. J'aimerais aussi voir un ching-ching là-bas en train de mâcher le tabac. Et que vos vraies couleurs vont sortir le jour là. On a payé quatre personnes. OK? Ils seront là-bas. Ils vont vous filmer. Nous, on va recevoir vos vraies photos le jour-là. Zéro filtre. Nous allons recevoir vos vraies photos.
Voilà. Voilà. On aura deux parasites là-bas. Il y a beaucoup, il y a même deux ou trois personnes que je suis en train de voir comment elles peuvent payer pour qu'on les attache ce jour-là. Pour qu'on les enlève. Ils vont rentrer seulement que dans la malle arrière d'une voiture. Faites l'erreur. Vous êtes dans mon collimateur. C'est l'argent qui parle. On va vous capturer le jour-là là-bas. Conneries comme vous. Que le 22 novembre, le 22 novembre. Il n'y aura pas le 22 novembre. Et le 23 novembre, il y aura quoi? Il y aura quoi le 23 novembre? Il y aura quoi le 23 novembre? Et pipi du chat. Donc à l'autre, quand il a fallu qu'elle fasse pour sa soeur du village, quand il a fallu qu'elle fasse pour la Asda, elle a donné 70 000 pour un sac et demi de macabo. Mais elle a dit que je veux que les dents Pérignon rosé de 2004, avec ses lèvres de cadavre, de 2004, une tueuse comme ça, là. C'est là qu'on soulève les langues de ses enfants à l'école, elle ne connaît pas. Parce que le quartier a été de sucer la pipe au vieux blanc. Là, de coller, qu'elle le suce. Quand tu vois ses joues, c'est comme si on avait jeté les boncas dans sa joue. Comme si elle avait les bonbons dans la. Tellement elle a sucé les bites comme ça, là. Elle a eu les boules comme ça aux joues. Elle est là comme un squelette, comme une calebasse. C'est-à-dire que sa tête est comme une calebasse. Et que le suce, la prostitution de plus front. Les bois que les dents pèlerinent, les rosés, les 2004. Et hier, tu as bu quoi? Tu as bu l'autre hier. Tu attends jusqu'au 22 novembre pour boire ça. Et entre-temps, tu bois quoi? Et entre-temps, j'ai le pipi du chat. Et bois que les dents pèlerinent, le rosé de ça. J'ai bien dit rosé. Rosé, 2004. Connerie comme ça. Quand il a fallu qu'elle aide sa soeur, hein? Quand il a fallu qu'elle vienne dans le aide-moi de ce qu'elle a donné mes trois sacs de nourriture, elle a donné sa part 70 000. Elle n'a même pas, équilibré ce que j'avais donné. Elle n'est même pas venue avec mon nombre de trois sacs de nourriture, mais 150 000 qu'elle avait donné. Hein? Non, elle est venue avec 70 000, un sac et demi. Mais quand il faut que les dents Pérignon, l'argent de la CAF, alors là, de son soute, que tous les cassables, on niasse à la bas au 16e. Qui aurait cru que tu vas commencer à découper le poulet, ton poulet que tu fais qui ne cuise même pas dans les deux sens et tout. Qui aurait cru? Qui aurait cru? Connerie comme ça là. Qui aurait cru que tu vas prendre l'argent du poulet maintenant? Pour aller acheter 2014. C'est 2014. Le Pérignon, le doux, le rosé, le Pérignon. 2000, écoute bien. 2004. Hier, tu as vu quoi? Avant qu'elle vienne pour faire la vidéo. Pourquoi vous nous faisiez, vous voulez nous faire le chouka du cerveau? On ne parle pas. Nous n'allons pas venir là-bas. Nous n'irons pas là-bas. On n'a pas les orteils à laisser là-bas dans la salle. Beaucoup ne marchent plus. Beaucoup qui étaient là-bas l'année passée, ils sont à la maison aujourd'hui. Ce sont des handicapés parce qu'ils ont perdu les orteils. Tu vas marcher comment si tu n'as pas les orteils? Tu vas marcher encore comment ici dehors si tu as perdu tes orteils? C'était le chouka. Quand elle disait, et l'argent, dès que la caméra s'éteint, on reprend ça. Et que allez même au palais là-bas, enfin, allez me rencontrer Macron. Et qu'on est seulement là. Le blindage de ça. Moi, je marche quand même ma lame de rasoir en poche. Vous ne pouvez pas entrer dans mon esprit. Je fais le blocage avec ma lame de rasoir. Vous ne pouvez pas traverser mon esprit avec votre chouka de cerveau là. Voilà. Coucou, Jeanne. Bonjour chérie. Hein? Vous ne pouvez pas. C'est 450, entre 450, 460. Après, c'est parti à 70. Après, c'est parti à 80. On était tous assis là, à moins de 2 secondes. On était tous assis là. En 2004,
2004, vu qu'elle tient ses petites oreilles là comme pour la souris. Écoute bien, écoute bien. 2004, c'est pour 2004, le don, le pérignon de le rosé. J'ai bien dit que 2004, 2004, c'est l'écrit. On ne connaît même pas ce qu'elle va écrire, elle ne connaît pas écrit 2004. Si tu écris 2004, tu dis que lit, elle ne peut pas lire. Entre temps, on a déjà déchiré les feuilles de sa petite sœur là-bas à Baraté. À Baraté, un maître a déchiré tous les feuilles de sa sœur là-bas à Baraté. Elle ne peut pas prendre l'argent là, envoyer que sa sœur peut-être louer une maison pour qu'on aille dedans, pour qu'on aille habiter avec sa sœur là-bas. On a déchiré les feuilles de sa sœur. Elle n'a jamais eu le billet d'avion pour aller au Cameroun, comme tu peux prendre une mauvaise nouvelle qui est arrivée à ta sœur. Tu peux regarder avec tes yeux pour mieux analyser. On a déchiré tout le côté de sa petite sœur là-bas à Baraté. Elle n'a jamais eu l'argent du billet d'avion pour entrer dans l'avion. Atterrir là. Même prendre le Airbosa qui va dormir en route 4 jours d'arrivée. Elle n'a jamais eu. Elle est pour venir chouquer le cerveau. J'ai bien dit que le rosé, le dent pérignon, le rosé de ça. À moins qu'elle allait nous donner la description de la bouteille. Et que, pour chouquer nos cerveaux. J'ai bien dit 2004. J'ai bien dit 2004. En tout, elle a dit de sentir la fumée. L'odeur de la fumée sur avec l'oignon qu'elle a découpé depuis le matin pour vendre ses poulets qui ne cuisent pas dans les deux sens là. Qu'elle a dit de... Tu l'as encore dit que le pep ne passe pas. Le pep est fini. Il n'y a plus les clients. Vous avez peur de sortir parce que le tueur en série est là-dehors. Tu as vu que le doigt est mauvais. Tu es parti acheter des cartes de poulet. Tu commences à tourner sur le feu. Et ce n'est même pas bon. Je t'ai dit que quoi? C'est le dent pérignon, le rosé. Je bois que le rosé de ça. Le rosé, c'est tout ça que je bois. J'avais dit qu'il n'est pas plus dans les fêtes. Parce qu'il n'avait pour moi l'argent. Mais comme le client que j'ai eu l'autre jour, j'ai eu un gros lot. Il m'a donné ça, je vais venir te soutenir. Il a dit que je ne peux pas avoir un client. Il m'a niaise 3 jours. Il me donne 1000 euros. Bête, il prend les 1000 euros là que le client m'a niaise pendant 3 jours. Je viens te donner ça pour soutenir ton événement. Parce que moi, il a dit qu'il ne peut plus venir dans les soirées parce qu'il n'avait plus moi l'argent. Et vous savez que la carte de crédit de la mère là que j'avais volée, vu que je suis parti au Ngata. Je suis parti au Ngata. Après, j'avais acheté les chaussures de Louis Vuitton. On est venu ramasser toutes les chaussures de Louis Vuitton là à la maison. Vous savez qu'il n'avait plus moi les habits pour porter, pour partir dans les soirées. C'est pour ça que je ne partais pas dans les soirées. Mais comme on m'a niaise pour 3 jours, on m'a donné 1000 euros. J'ai dit que voilà, je vais venir soutenir ma soeur avec. Au lieu de garder les 1000 euros là, même si elle n'importe quel habit, même si c'est le cabassi que j'ai sur moi, que c'était de briser le poulet avec depuis le matin, je peux porter pour venir, non. Mais je vais m'asseoir que sur ma table seule pour boire mon rosé, le pérignon de 2004. Et je bois, ça ne finit pas. Je lave mes mains avec le reste. Je lave mes mains avec le reste. Pouchouk. Alors que quand elles ont été là, quand même, elle a repris l'argent là. Elle a repris l'argent. Tout ça. Achetez-vous de lames de rasoir, vous mettez dans vos poches. Parce qu'elle veut nous attirer. Tout cela, c'est pour chouquer nos cerveaux. Vous avez compris, non, mes gens. J'ai acheté ma lame de rasoir. Ma lame de rasoir est dans ma poche. Quand je les vois comme ça, je sais ma lame de rasoir comme ça. Je sais. Achetez ça. Vous enlevez ça sur le papier là. Vous prenez le tissu. Vous prenez le tissu. Vous emballez votre lame de rasoir. Dès que vous les voyez comme ça, en train de vouloir parler, de vouloir chouquer le cerveau avec les 2022 là, vous sortez seulement la lame de rasoir. Vous serrez vos mains sur ça. Vous serrez la lame de rasoir pour que ça ne traverse pas votre esprit. Tout ça, c'est le chouquage du cerveau. Voilà. Vous serrez. Voilà, Ndale, on a là chouqué son cerveau, un esprit léger comme elle. Elle a parti. Et qu'elle est partie danser dans le salon de celle qui a pu couper tête pour jeter tête de cheval. Celle qui a pu les boutons là. Elle est partie là. Le mafo. Celle qui vend le piment jusqu'à. La vendeuse internationale de Pétou. C'est la mafo. C'est qu'on la niaise dans tous les camions de la France. C'est là que la mafo. La lélé nationale. C'est notre le mafo. C'est là que le mafo qui fait le écartement dans tous les rues de la France. C'est notre le mafo. Notre mafo, quand je la voyais à la télé, elle était que rouge, maintenant elle est que noire sur mes yeux.
Attends, la chirurgienne, attends. Oh, ce n'est que le mafo. Oh, ce n'est que le mafo. Elle est laide en vrai, là où je suis, elle voulait fuir, m'arrêter. Oh, ce n'est que le mafo. Oh, ce n'est que le mafo. Là, ce n'est que le mafo n'est pas belle comme je croyais. Oh, oh, ce n'est que le mafo. Oh, je vais faire comment pour sortir de la chambre si elle est partie pour fuir. Oh, c'est le mafo. Oh, c'est le mafo. Venez me sortir d'ici. Oh, avec ce qui appuie les boutons, maman, la coupette est bougée. Oh, c'est le mafo. Oh, mes gens, ne vous fiez pas aux apparences de la télé de Facebook. Oh, c'est le mafo. Oh, mes gens, vous avez vu ce qui presse le bouton. Oh, qui m'avait envoyé. Oh, c'est le mafo. Oh, mes gens, pardon, venez prendre mon argent, vous me remettez. Oh, c'est le mafo. Vous n'avez pas vu qu'elle allait pleurer. Vous n'avez pas vu. Est-ce qu'elle a chanté le Makossa? Est-ce qu'elle a chanté la soumission de ça? La soumission de ça. Elle est partie chanter que ah, c'est la mafo. Elle est partie là-bas. Elle n'avait pas encore vu couper tête pour jeter de ça qui appuie les boutons. La coudière, la maman, la laideur de sa tête comme pour le cheval. Sa tête comme pour le cheval. C'est qui appuie les boutons là. Sa tête comme pour le cheval. Et que couper tête pour jeter. C'est qui appuie les boutons sur le visage des gens là. Une coupée tête pour jeter. Une coudier. Une coupée tête pour jeter. La laideur de ça. Et dans les portes aussi sur son corps là. Ah, quand la mariée son béni avec quand la lune de ça brise ses lèvres. Là voilà. Il n'y a pas de raconter les mafos. Elle arrive là-bas. Elle voit une djoundjou là-bas. Deux djoundjou là-bas comme ça assise. Avec celle qui appuie les boutons sur le visage là. Deux djoundjou. Celle qui appuie le bouton. Et l'autre, celle qui appuie le bouton là d'abord, elle est coupée. Sa tête est comme pour le cheval. Elle a les longues mains comme ça là. Ses mains sont longues comme ça, comme les branches d'arbre. Avec les doigts comme les dents du râteau comme ça. Je n'ai jamais vu une femme aussi laide. Celle qui appuie les boutons au visage là. La laideur de ça, mes gens. La laideur de ça. Donc, elle n'a les parties là-bas pour aller manger ses 40 beignets qu'elle mange tous les matins avec sa deux, le thermos de la bouillie qu'elle boit tous les matins avec le haricot de ça, la mamie de haricot qu'elle mange. Voilà sa bouche qui bouille avec son visage de beignets là qui bouille. Voilà qui part. Elle n'a les pète. Là, voilà qu'on entre aussi. Et comment elle... Oh, Jessica, qui m'a envoyé ici, là? Oh, maman, la laideur de ça, Jessica, je pense que je partais que où? Et mon argent est parti. Tu n'as encore rien vu. Et tout ça n'a même pas encore la bière. Endale n'a même pas encore acheté les chaussures de ça. Elle n'a même pas sa pointure. Quand vous voyez Endale là, elle peut porter quelle genre de chaussures? Elle peut porter quelle chaussures? Et voilà. Parce qu'elle n'avait pas sa lame de rasoir en poche pour se protéger. Esprit léger. Le tchouka du cerveau de ça. Elle est partie. Elle a chanté. On lui a donné la punition le jour-là. Elle a chanté le Bensiki jusqu'à qu'elle est rentrée. Elle a fait deux jours de ressortie. Le souffle était fini. Le souffle. Mais ces musiques. Elle arrive là-bas, on lui a donné aussi une musique qu'elle doit mettre de la meilleure dans ses lives. Ou c'est quelqu'un qui a de musique. C'est elle qui connaît ce que le chanteur dit. C'est elle qui écoute la musique. Non, quand elle met la musique là, moi je n'entends rien. Mais c'est elle qui, elle fait comme ça. Sa bouche, c'est. Okay, elle tape ses lèvres, qu'elle chante aussi. Parfois, quand c'est grave, tu vois, elle prend ses petits doigts là. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle fait comme ça. Elle dit que, ah bah, maman, le 22 novembre, là, va nous trouver. Maman, les esprits légers. Les gens qui ont les petits esprits là, maman, et achetez la lame de rasoir, mes gens. Dès que vous les voyez en live là, vous prenez la lame là, vous serrez sur la lame de rasoir. Le chouka du cerveau de ça. C'est qu'au Cameroun, là, où elle a été de marcher à pied, je ne la vois plus. Où elle a été de Boza pour entrer aussi, parce qu'Odèle ne m'a même pas l'air du billet d'avion. Où elle a été de marcher à pied pour arriver, je ne sais pas. Qui va, il y a que la soumission, maman. Tout le monde va aller kiss le ring de la queen le jour là. Tout le monde va aller kiss le ring de la queen. Hey, maman, tout le monde va aller kiss le ring de la queen.
Les gens vont aller se prosterner là-bas. Et que la soumission de ça. Maman, c'est Dieu qui nous a sauvés, mes gens. On s'est affranchi. Parce que l'esclavage, vous qui croyez que l'esclavage était fini en 1860, il y a encore l'esclavage là-dehors. Il y a encore les esclaves là-bas qui ne sont pas encore affranchis. Dans le côté là que nous on connaît là, il y a encore plein d'esclaves là-bas comme ça. La soumission de ça. La soumission de ça. Et elle a chanté le bain, c'est qu'elle est rentrée, elle a dormi 2 jours. Elle n'a pas fait de live. Qu'elle avait demandé aux gens que je donne, qu'elle est rentrée, qu'elle a repris son souffle 2 jours après. Elle est venue demander aux gens, je donne vos noms là-bas. Les gens disent, non, maman, pardon. On ne donne pas nos noms là-bas. Pardon. Avec ce qu'on t'a vu danser le bain siki là-bas, tu n'es pas les exhorté à faire peine. Coucou, Manvoud. Manvoud, maman. Manvoud. Notre Manvoud. Maman, allez, dans la salle. Manvoud. Joyeux anniversaire encore, maman. Manvoud. Ta fête était belle, Manvoud. Tu étais. Manvoud. Il dit que Manvoud. Oh, Manvoud, babale, pardon, mettez les cœurs pour notre anniversaireuse. Moi, c'est sa semaine, hein. Ça, c'est la semaine de l'anniversaire de Manvoud, babale. C'est sa semaine ici, là. Mettez-lui les cœurs. Souhaitez-lui encore les happy birthday. Manvoud a eu 53 ans, notre bio des bio. La bio de toutes ces générations. Maman, elle a eu le conteneur. Manvoud, Manvoud. Et comment vous, quand tu vas venir là, garde-moi ton haut, ton chemisier noir là que tu as porté. J'ai trop aimé ton chemisier là, Manvou. Maman, les formes de ça. Je dis, Manvou, babale, tu as quoi envier à une fille de 30 ans? Du haut de tes 53 balais. Tu n'as rien. Et que même Leslie là, elle fait l'erreur, tu prends ça. Même Leslie, Manvou, ne peut pas se mettre à côté de toi. Avec tes copines qui vont avec. Des belles femmes comme ça, tu sens des femmes accomplies. Non, Manvoud, chapeau à toi. Elle dit qu'elle chapeau à toi. C'est pour ça qu'elle dit que je ne peux pas, Manvoud. Parce que tu es mon full package. Voilà. Je ne peux pas, moi. Je ne peux pas. Tu es au lac de femmes, là. Je ne peux pas, moi. J'ai aimé tes copines, des belles dames comme toi. Ah, on n'a pas le voir de Facebook. Ah, les conneries avec les doigts calcinés. Ah! Non, Manvoud, tu connais. Maman, non, bon de rien que mon frère. Maman, le charisme de ça. Maman, les épaules carrées. Pas les oubis de la toile. Les oubis. Ah, vous avez vu dans la vidéo que Manvoud a posté là. Non, il faut avoir son WhatsApp pour voir ça. Et qu'il fallait voir notre beau. Maman, la fraîcheur. Un conteneur assis comme ça. Il a rempli un mur. Un homme. Alpha Men, pardon, mettez les cœurs pour notre Manvoud, babalé. C'est sa semaine ici, là. Dis-le, Manvoud. Manvoud, garde-moi ton chemisier noir, là. J'ai trop aimé ton chemisier noir, là. J'ai trop aimé. Manvoud, happy birthday encore, maman. Non, la beauté de ça. Manvoud. Si Dieu ne t'avait pas créé, on allait créer qui pour te remplacer, Manvoud, babalé. La beauté de ça. Tu étais très belle, hein, maman. Tu étais très belle. Elle est pas là, Manvoud, babalé. On dit qu'il faut insulter Manvoud. Tu vas dire que quoi de Manvoud? Tu vas parler que quoi? Manvoud est accompli. C'est que non, chacun a ses petits problèmes de la vie. Mais ce que nous on voit là, nos yeux sont remplis. Nos yeux sont comblés. Il y a encore quoi à dire ce Manvoud, babalé? Il y a quoi à dire ce Manvoud, babalé? Non, Manvoud. Non, Manvoud. J'ai trop aimé ton cas et tes copines là. C'est comme si non, il faut passer un concours pour être dans ton cercle, Manvoud. Parce que quand je vois les femmes là, il n'y a pas eu moins de que rien parmi. Il n'y a pas. Toutes les belles femmes debout comme ça, là, comme le soleil. Oh, Manvoud. Joyeux anniversaire encore à toi, Manvoud. Happy birthday, maman. Que Dieu te comble de toute sa grâce à toi et toute ta famille et toi et tes amis que j'ai vus là. Des très belles dames. Des très belles dames. Même génération là. Des femmes accomplies. Allo, voir de Mburakata. Ah, venez, venez, oh, venez, venez. Non, 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 non. Non. Loin des bruits. Loin des bruits. Voilà. Yeah. Ils ont tellement signalé. Mais on a parlé, non, mes gens. Ils n'ont qu'à signaler. Nous, on a parlé. Voilà. Nous, on a que parlé. Voilà. On a beaucoup de pages. Il faut les laisser. On a parlé.
On a sauf que Paris. Voilà. Donc, Manvou, joyeux anniversaire, maman. Joyeux anniversaire, Manvou. Je ne sais pas si tu vas t'accepter, Manvou. Tu l'as dit de faire les caprices. Depuis là, les gens voient, ça ne prend pas. Ils ont tellement signalé. Il faut peut-être insister. Andrew Maté. Hey, Manvou, happy birthday, Geno. Many thanks, c'est mon liberté. Maman, Manvou, bisous à tes copines là. Les jeunes femmes là. Des belles. Oh, Manvou. La sélection de ça. La sélection de ça, Manvou. Maman, on l'a pris. Merci. Eh, maman, vous êtes très belle. Vas-y, Manvou, parle. Je vais me muter. Je vais elle m'a dit qu'elle a beaucoup aimé. Maman, ma tante, elle est avec moi. Il me donne ton haut noir là. J'ai trop aimé ton haut noir là. Ok, maman. Quand elle veut venir, elle t'apporte ça, maman. Elle dit que Manvou, il faut que Leslie fasse attention. Hein. Maman, tu n'as rien envie à Leslie. Maman, tu es debout, Manvou. Les statuts WhatsApp de ça. J'ai mis les statuts. J'ai même 50 statuts. Voilà ta fille. Elle n'a pas mis les cœurs depuis le matin. Voilà ta fille. Dès qu'elle a entendu ta voix, elle est sortie. Voilà ta Ori. Voilà ta Ori. Voilà ta Ori. Elle n'était pas direct. Peut-être elle était occupée. Elle ne se sent pas bien aussi. Elle est grippée. Elle n'a pas de voix. Elle ne se sent pas bien. Elle est malade. La ribarité, c'était de taille, maman. Je te dis que maintenant, on est dans le ménage. On essaye de shampooner la maison pour que tout revienne. Alors, déclasser un peu de tout ce qu'on a fait comme des oignons. Il y a pas de. Ton temps, c'est très beau. J'ai encore revu les ventailles japonais au mur, maman. Faites-vous du ménage. Vous ne connaissez pas la valeur. Seulement les ventailles japonais que maman voit sur le mur, là, c'est le prix d'un mort. Ça paye un mortgage. Les ventailles japonais, vous ne connaissez pas ces choses-là. Ouais. Vous ne connaissez pas. Maman t'a fini avec. Yeah. Ouais, tu es grippé, il y a Corrige, ouais. Il y a le temps maintenant, c'est le froid a commencé et tout, donc il y a le temps. Elle n'a même pas de voix. Je ne sais pas si sa voix est revenue, mais elle n'avait même pas de voix. Elle ne se sent pas bien. Rarement est bien descendue. Elle a perdu peut-être la connexion. Ouais, Ori, tu vas mieux, chérie. Tu vas mieux, ma belle. Tu vas mieux. Sorry. Ouais, la maladie, c'est tout le monde qui est under the weather. Hein. C'est tout le monde. Même Zoé est un peu fatiguée et tout. Elle était un peu malade ce week-end. Elle est under the weather aussi. Yeah. Allez. Donc, vous, hein, non, mais gens. Voilà. Voilà. Donc, il faut seulement acheter, comme je disais tantôt, vous voyez, non. On va seulement aller acheter ma lame de rasoir. Acheter votre pas de. Voilà, c'est la connexion. Mais ça va, il va laisser nous faire coucou, il n'y a pas grande chose à dire et tout. Donc, voilà. Donc, on va seulement acheter notre lame de rasoir. Donc, vous voyez, non, parce que, voilà, ah non, oui, ça vient, c'est la fièvre de nuit, ça vient avec les courbatures et tout. Yeah. Yeah, merci Loli, je ne manquerai pas, chérie. Elle a concert ce soir, on va les noter pour leur instrument parce qu'elle joue à la trompette. Donc, elle est en concert ce soir à l'école à 17h30. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré faire le live un peu plus tôt. Comme ça, pour dégager mon après-midi, parce qu'on va aller là-bas et tout. Elles ont concert, elles ont leur concert scolaire et tout. Donc, on va la noter. C'est par rapport à sa performance individuelle qu'on va savoir dans quel groupe la mettre et tout. Voilà. Donc, elle est allée là-bas pour les répétitions. Elle va rentrer tout à l'heure à 14h. Et on va repartir le soir ensemble. Voilà. Et ça va aller, Arush. You'll be fine, ok? Ça va aller. Ok, reviens, ta voix nous manque, chérie. Ta voix nous manque. Maman, elle est aigle royale. Elle est aigle royale. La aigle royale. Ta voix nous manque, chérie. Ok, prends soin de toi. Il faut boire les thés chaudes et tout. Yeah, il faut boire beaucoup de thés chaudes et tout. Et te couvrir aussi. Ok, oh, tes cheveux bouclés, oh, la beauté des années, maman, couvre-toi, porte le cab avec les chaussettes. Ne laisse pas là que oh, tu vas porter tes joggings là que tu portes souvent, tes sweatpants avec tes petits, tes ton nombril dehors là, nanana. Couvre-toi, porte les cabas avec les chaussettes dedans. Tes cheveux bouclés là, tu attaches le foulard sur ça. Mets-toi chaud et tu bois beaucoup de thé.
Be careful, hein, parce que quand tu tiens le thé chaud là, faut bien tenir ça, parce qu'avec les enfants là, et tout, parfois, tu peux arrêter ça quand les enfants sautent dessus. Yeah. Tu bois ça, tu restes à la cuisine, tu bois ça là-bas. Tu pars pas à côté de mes enfants, les petits bouts de chou là, ils ne veulent pas de brûlure. Ils sont très beaux. Ils sont très beaux. Je ne veux même pas de blessure à eux. That's so cute. Ouais. Donc, voilà. Donc, vous avez vu, non, mes gens. Vous avez. Oh, j'embrasse les enfants de ma part. Vous avez vu, non, mes gens. Donc, ce qu'ils disaient là, on reste seulement focus. OK? Voilà. Il n'y aura rien le 22 novembre. Voilà. Donc, bisous, chérie. You're welcome. Donc, comme je vous dis là, dès que vous sortez là demain, achetez la lame de rasoir. Je vous dis, mes gens, si vous vous amusez, c'est que si c'est un esprit faible, vous ne pouvez pas savoir le choucage du cerveau en inbox. Le choucage du cerveau en inbox. Vous devez me retrouver assise là-bas au 22 novembre. Donc, si je n'avais pas ma lame de rasoir, si je n'avais pas pu serrer ça pour rejeter le mauvais esprit, le choucage du cerveau, l'envoûtement, là, mes gens, achetez la lame de rasoir. Vous enlevez l'emballage, le papier là, vous jetez. Vous cherchez maintenant un morceau de papier de cuisine là, vous emballez la lame de rasoir là. Comme ça, quand vous les voyez en lave là, quand on est venu donner 1500 euros, on est venu acheter le Dom Pérignon de 2001 là, vous serrez souvent sur la lame de rasoir. Voilà. Vous serrez sous la lame de rasoir. Sinon, vous allez vous retrouver en train d'être assise là-bas. Ou bien en train de vous. Imaginez un peu, me lève un matin, que Orouche me dise qu'elle est en train de chercher là où elle va acheter le ticket de. Je fous de ma part sur ta part. Oh, tu fous de ta part sur ta part. Alors que. Imaginez que Lolima nous dise un jour qu'on vend le ticket là-haut. Parce qu'ils ont été des esprits faibles, on a pu les envoûter. Imaginez le traumatisme de ça. Traumatisme de ça. Donc, achetez la lame de rasoir, comme je vous dis là, et vous serrez ça. Vous serrez. Quand ils font là, c'est interne. C'est avec beaucoup d'intention. Quand ils viennent là, c'est intentionnellement. Quand ils viennent là, nous tchouquer. Oh, voici 1500 euros. Oh, voici l'enveloppe de 4000 euros. Oh, voici, maman. Il n'y a rien. Dès que la caméra là, c'était, on remet les argent là. Il n'y a rien. C'est le tchouka du cerveau. Voilà. C'est le chouka du cerveau. Une salle de 700 places depuis un an et demi. Depuis un an et demi n'est pas encore pleine. Hein? Vous croyez qu'il y aura quoi sous le soleil le 23 décembre, le 23 novembre? Laissez-la là-bas. Laissez-la s'agiter. Il y aura quoi sous le soleil le 23 novembre? Tous, il y a des gens à la maison qui ont perdu l'habilité de marcher parce qu'ils ont perdu leurs orteils, sont restés là-bas dans le fuma-fuma du 29 décembre de l'année passée. Il y a les gens qui ont perdu leurs orteils là-bas et d'autres vont encore en perdre cette année et on va se retrouver là-bas. Imaginez que moi, dans mon debout, je parte là-bas comme moi aussi, la légende de la légende, moi aussi, je vais kiss le ring de la légende, moi aussi, je vais kiss le ring, je vais kiss le ring. Le lendemain, je n'ai plus les orteils aux pieds. Je vais encore porter mes chaussures pour aller me chercher mon argent comment. Avec les orteils qui manquent sur mes pieds. Beaucoup de gens ont perdu les orteils l'année passée et beaucoup en perdent encore cette année. Voilà. Donc prenez soin de vous. Voilà. Le 22 novembre, il n'y aura rien. Voilà. Et on va se retrouver encore dans notre fuma fuma le 23. Voilà. Donc rendez-vous là. Le 23, on va se retrouver ici, là. Allez travailler. Nous sommes fatigués. OK? De la promiscuité. Le sexe, l'alcool et la drogue. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin pour manger le tabac. Je n'ai pas besoin de venir m'asseoir quelque part où on sait mes noyaux comme ça. Là. On sait mon intestin dans le ventre. Tu te lèves comme ça pour aller faire pipi. Tu te retrouves que ton fessier est dans les mains d'un bosaïen là-bas derrière. OK? Voilà. Allez travailler. Allez travailler. Vous allez gagner mieux votre vie. Allez travailler. Arrêtez le sexe.
sexe, l'alcool et la drogue. Allez travailler. On ne peut pas se pavaner dans tout le, le monde entier pendant 12 mois et choisir un jour, le 22 novembre, pour créer, prendre un petit couloir comme ça, maximiser, prendre une salle normalement de capacité de 80 personnes, venir mettre 1500 personnes, parce que vous voulez maximiser. Tu ne tiens même pas compte, ok, du bien-être des gens que tu invites. Des gens qui viennent à leur souffrance. Tu ne tiens même pas compte de leur bien-être. Tu es droit de vendre les tables. Oh, la table, le salon, le salon. Le salon là va entrer où? L'année passée, déjà, il y a quelqu'un qui avait perdu son orteil. On était parti déposer la table. On a poussé la table, on a déposé son orteil. L'orteil a sauté comme ça. Pop, le calopu est sorti. L'année passée, il y a eu les témoignages sur Facebook. Les gens ont payé, ils ne sont pas entrés. Ils n'ont même pas vu la couleur de la cour. C'est à distance, le monde, le marché central. Les gens sont rentrés. Il n'y a jamais eu remboursement. Donc, là-bas, on a tourné la page comme s'il n'y avait rien eu. Le 29 décembre de l'année passée, il y a des gens qui avaient payé le ticket, qui n'ont même pas vu la cour de la salle. Voilà. Quel bien-être tu donnes aux gens? Tu offres quoi aux gens pour qu'on vienne là-bas se perdre les orteils? Tu donnes quoi? Quelle est l'assurance? Tu vois que les... Donc, j'aimerais aussi voir un ting-ting. Quand il dit tantôt, assise là-bas dans ses robes, je ne sais pas si elle sera avec la robe du parapluie, ou bien qu'est-ce qu'elle va porter encore? Elle a été de manger le tabac à 2h, 3h du matin. En train de manger le tabac. Nous, on a besoin de 300 euros là. 100 euros, c'est différent, c'est bien suffisant pour avoir trois courses of meal, un apéritif, une entrée, ok, plat de riz et un dessert, et avoir la consommation. 100 euros, c'est suffisant. Voilà. Donc, avant de maximiser tes intérêts, tu en as pris notre argent, c'est ça que tu parles, laisser ta main au Cameroun. La main n'est jamais entrée dans l'avion. Elle n'est même pas allée à l'aéroport, même pour dire qu'elle a raté son avion et on a, la compagnie, elle a perdu le billet d'avion. Elle n'est jamais sortie de la maison depuis le jour que tu avais pris notre argent. Donc, tu viens encore faire notre chouka du cerveau pour encore aller acheter les parapons mecs chez toi pour venir te moquer de nous. Alors que c'est notre argent. Tu ne peux pas prendre l'argent des gens et tu les mets pas à l'aise. Ils sont aux on demande remboursement. On demande remboursement. Parce que le contrat n'a pas été honoré. On demande le remboursement. Ici, là, on demande, si je peux aller au store ici là, j'achète un parfum, c'est 30 jours, le délai de remboursement. Je peux mettre le parfum là pendant 28 jours, ou bien utiliser pendant 29, ou bien utiliser pendant 30 jours, le 30e jour là. Si je sais que le 30e jour, aujourd'hui c'est le 40e, le 14, donc si j'achète quelque chose le 30e jour, peut-être le 13 du mois prochain, ou le 12. Je peux pas aller le 12 avant qu'il ferme le store. Il dit que je n'aime pas. On me rembourse mon argent. Ils vont prendre le fond du parfum là. Même comme j'ai utilisé jusqu'à, ils vont prendre le fond du parfum là et me rembourser mon argent sans me demander que oh, c'est monté, c'est descendu. Voilà. Sans me demander, après avoir utilisé le parfum pendant 30 jours, même si c'est seulement une goutte de parfum dedans encore, je viens m'avec la bouteille presque vide que je n'aime pas dans la qui. Ils vont me rembourser mon argent. Tu ne peux pas prendre l'argent des gens. Ok? Tu n'as jamais tenu un comité de crise par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. On ne t'a même pas vu parler de ça en Facebook Live. Tu n'es même pas venu. J'ai dit que tu as ni vu ni connu. Tu attrapes encore les nouvelles cibles encore cette année que tu veux traiter et prendre l'argent. Voilà. Ça ne peut pas. Le tabac là, ce n'est pas suffisant. Pour un ticket de 100 euros, c'est beaucoup d'argent. Les services de prestation ne coûtent plus cher comme avant. Tellement il y a la concurrence. Bien fait, tu peux choisir les menus légers parce que c'est tard la nuit. On va venir avec un tabac. On va venir de un tabac qu'on a tué 4 jours avant de Londres. C'est là qu'il y a ses doigts calcinés de Londres pour dire qu'elle va venir faire un tabac à Paris. Là, c'est qu'elle a fait un tabac. Sa chèvre, là, c'est elle qui a élevé la chèvre là derrière sa maison. Je peux pas prendre. Les restaurants des Turcs là-bas, ils font ça à chaud le soir, à chaud.
En tout cas, le 23, on se retrouve ici pour critiquer. C'est tout. Ça ne sera plus comme avant. Ça ne sera plus comme avant. Voilà. On va se retrouver ici, là, comme je l'ai dit tantôt, le 23. Donc, si rien n'est... Et que si tu ne mets pas les gens à leur aise, nous, on va te demander le remboursement. Et il faudra que tu rembourses les gens. Voilà. Voilà, on va venir taper le temps pour ça. On est là, ok? Il y a aussi droit à la critique. Nous, on va critiquer. Parce que quand on te parle, tu dis que tu connais, tu maîtrises. On parle, tu dis que tu maîtrises. Tu n'as jamais organisé même une réunion de crise avec ce qui s'est passé la dernière fois, le 29 décembre de l'année passée. Tu n'as jamais parlé de ça. Je ne sais pas comment ceux qui avaient acheté leur ticket et qui n'ont pas pu entrer, comment tu as géré ça? Pour toi, c'est du next, quoi. Voilà. Donc, comme je t'ai dit tantôt, le 23 novembre, on va se retrouver ici, là, sur notre même plateau de la télévision. On va parler de ça. Et on a mis 4 personnes, on a acheté 4 tickets. Voilà. Yeah. Mais c'est dit que ce n'est pas elle, non, Denisa. Même si ce n'est pas elle, nous dit que c'est elle, non. Ok, donc c'est à elle qu'on on tiendra compte. Voilà. C'est elle qui nous rendra compte. Puisqu'elle porte les épaulettes de ce truc-là. Nous, on sait que ce n'est pas pour elle. Elle n'a pas les capacités. Elle n'a pas les moyens ni les capacités de louer une salle comme ça. Elle n'a pas l'argent. C'est une jongleuse. Voilà. Mais accordons-lui du crédit. Accordons-lui ce crédit-là. Oui, c'est pour elle. Mais quand il y aura le pire, là, il faudrait qu'elle vienne nous rendre compte. C'est à elle qu'on demandera de nous rendre compte. Voilà. Tu viens parler de Eva Smith. Eva Smith, ta camarade. Connerie comme ça. Tu viens encore avec un mauvais commentaire. Je te bloque. Parce que depuis que tu viens chanter, tu viens déposer tes pipis du chien là-bas. Et qu'elle va, ta patronne à qui est là-bas, elle son clito, qu'elle est un casseur d'agnasse dans tous les sens là. Va l'aider à soulever son sol. Va l'aider à ramasser ses feuilles du tarot qu'elle a dans les fesses là, qui traînent au sol. Et remettre dans son sale caleçon déchiré là. Viens encore parler. Tu vois que tu as venu, ça manque du respect à mes gens. Depuis que je te vois là, tu t'entends et tu te dis que ok, reviens encore. Fais casser ton cou. Reviens encore. Va aider ta. Tu ne connais pas là où elle a dormi. Depuis peut-être un mois, sa mère ne l'a pas vue. Elle est dehors, elle vadrouille. Elle monte de ça et ses pattes de cheval là. Va aider. Les cassons finis avec. Il faut voir comment quand les cassons-là, ils veulent mettre un guette seulement derrière la porte avant de les prendre. Écrivez vos avis de décès. Tout ce qu'on aura fait après, on va dire que le RIPS, et on va lire ça, c'est tout. La peur de ça. Ils sont là dehors, ils vous attendent, ils ont les nerfs, vous allez là passer combien d'années à récupérer leur argent. Il n'y a même pas que le cadeau. Il vient pour prendre le cadeau de tous la payance qu'il a fait durant toutes les années là. Il n'y a même pas le cadeau que, oh, viens aujourd'hui, tu n'as pas la viens niasse for free. Donc, ils passent le temps à vous payer leurs 15 euros, 20 euros. Dans le jour qu'il n'y a pas là, vous ne pouvez pas lui donner tout gratuitement. Il n'y a pas le cadeau. Pour il n'a pas 20 euros. C'est le client régulier. Il va vous casser le cou. C'est tout. Voilà. Il va vous casser le cou. Il va vous niasse et ils vont vous déposer au sol. Et ils vont partir. Mais ils vont niasse. Donc apprenez aussi okay, à attirer vos clientèles. Le jour qu'ils n'ont pas là, l'argent, laissez-les venir, donnez-leur le cadeau. Ils viennent niasse gratuitement. C'est comme ça qu'on garde le customer. Qui a envoyé la demande? Je n'ai même pas vu une demande monter ici. Hein. Qui a envoyé la demande, Lolite? Qui a envoyé la demande, chérie? Je n'ai pas vu une demande. Après, c'est de la reine, mais bien, la personne n'a pu envoyer la demande. Hein. On te dit que vous ne pouvez pas commenter. Je ne sais pas. Le lien va être tellement signalé. OK? Voilà. Donc, c'est ça. Apprenez aussi. Voilà. Apprenez à leur donner un peu. Le jour qu'ils n'ont pas les 15-20 euros pour payer la nias. Apprenez aussi
pour garder la clé. Vous pouvez leur donner le gratuit. Voilà. Parce que s'ils ont le gratuit, ils ne vont pas vous donner la clé 14. Quand ils veulent niasse absolument là, donnez-leur ça gratuit. Voilà, le jour là va passer, peut-être après, voilà, après, peut-être quand ils auront l'argent, ils vont encore venir. Voilà, et c'est comme ça que le marché se passe. Yes, sûrement, c'est ok. Sûrement, Michel. Voilà. Donc, sinon là, si vous ne voulez pas aussi leur donner le gratuit, le jour que les gars là, les petits ébouls là, sinon pas l'argent, vous ne voulez pas écarter gratuitement. Vous voulez qu'ils partent voler pour venir vous payer. Voilà. Vous allez perdre, vous allez laisser vos vies là-bas. Voilà. Vous allez laisser vos vies là-bas. Voilà. Apprenez à donner le cadeau. Quand vous partez au marché acheter le maïs, elle se met le cadeau. Pourquoi aussi pour il ne peut pas demander le cadeau. Pourquoi aussi pour le piment? Donnez-le le cadeau. Le jus qui n'ont pas l'argent, donnez-le comme ça. Ils niassent comme ça gratuitement. Voilà. C'est comme ça qu'on garde sa clientèle. Voilà. Coucou Elise, comment chérie? Tu viens quand le live est là, je veux clôturer le live. Merci pour les cœurs, chérie. Tu es venu quand le live est là presque terminé. Donc voilà, on va arrêter ce live comme ça, ok? Parce que bon, c'est un live que beaucoup de gens aimeraient peut-être monter pour placer un moment, on ne peut pas à cause du signalement et tout. Ils ont tellement signalé. Donc voilà. Donc on va se séparer, mes gens. Donc. C'est comment dans mon continent? Ça va, chérie? Ça va, chérie? Tu vas bien, ma life? Voilà. Donc, merci pour tous ceux qui étaient là. Je n'ai même pas vu les qui étaient là. Je n'avais même pas de compteur, rien. Donc, je ne sais pas. Les qui étaient là, les qui n'étaient même pas là. Donc, moi, j'ai fait ça en ce moment comme ça. Je ne connais même pas le nombre que vous étiez ou pas que ce soit. À un moment, les commentaires ne montaient même plus. Mais je n'ai pas voulu vous paniquer. Après, c'est revenu tout seul et tout. Donc, voilà. On a pu faire avec, OK? Donc, kudos to us. Voilà. Kudos to us. Chapeau à nous. On a bravé tous les intempéries. On a fait que notre lave. Voilà. Donc, je parle à Tatiana Mimba. Voilà. À Tatiana Cornila. Mamie, reste chez toi. Les trucs, les maléba là. On ne veut plus nous entendre ça. Oh. Quand tu sais que tu es un vendeur de filles, ne cherche pas les problèmes. Maléba. Laissez Maléba là où elle est. Elle n'a pas tué quelqu'un. Elle ne vous doit pas. Et vous ne lui devez pas aussi. Voilà. Laissez-la tranquille. Voilà. Laissez-la tranquille. Chaque fois, elle peut rester là-bas à Rouen 6 mois pour le faire le vieux ignorer. Mais chaque fois qu'elle monte dans l'avion, vous pourrissez son séjour. Voilà. Laissez-la tranquille. Merci, maman Carole. Laissez-la. Le maléba, elle te tape à Rouen là. Non, ce n'est pas le tam-tam. Elle n'est pas votre enfant. Vous ne pouvez pas parler à une dame. Quand tu es venu soulever ta robe, tu ne danses plus tes trucs que tu danses. Tu soulèves tes habits un jar, tu sors ta langue. Elle dit, hey, Tatiana Koni, tu crois que même si elle n'avait pas eu ta vidéo, elle a la serviette blanche. Toi, avec les trucs, avec le nid d'oiseau que tu as dessiné sur ton corps là, et que tu n'as même pas un beau, ton beau dit ah, tellement moche. Quand tu te vois avec tous les machins là, les oiseaux, les nids d'oiseaux que tu as sur ton corps là, qui peut te prendre pour aller ouais, on peut te prendre en considération. La manière même que tu es là, même s'il faut te prendre pour aller même, pour venir faire d'abord le background check, pour venir d'abord faire le background check, tu as vendu le piment, tu as trouvé au champ. Que l'incassat, on a chié sur toi, le porti porta. Donc tu vois seulement que la vidéo que tu as eu ta CV blanche, c'est ça. Hein? Les blancs savent qu'on attrape la CV blanche. Voilà. On n'a pas vu ton couipou là-dedans. Je n'ai pas vu. Je ne sais pas si tu étais épilé ou pas. On n'a rien vu. La CV là n'a jamais tombé. Tu as pleuré loin. Voilà. Ne viens pas pleurer le gars qui t'a déposé depuis 3 ans. C'est quelques palabres qui ne finit jamais. Voilà Mbinda qui a pris le gars de sa soeur. Elle a fait un enfant avec. Tellement le mauvais esprit ancré dans l'enfant. Finalement, elle est partie déposer l'enfant au Cameroun. Voilà. Parce qu'elle était incapable. Elle a fait. C'est une mère indigne.
Tu ne vois pas comment une femme peut venir en Allemagne avec toutes les structures qu'il y a. Cet enfant était quand même en fait partout au sport. Parce que généralement, quand les enfants vont au sport, quand même, ils ont quand même une ligne et tout, ils sont quand même disciplinés et tout. L'enfant là a fait quoi? Pour que l'enfant se retrouve au Cameroun. Puisqu'elle dit qu'elle paye le corps de l'enfant à 2000 euros. Même si tu payes le corps de l'enfant au pays, mais à 10 000 euros. Ça ne peut pas être commandé. Jusqu'à le Woubi, avec les grosses fesses de par mes sangs. Il dit qu'il ne savait pas que quelqu'un a dit qu'il y a une école là-bas à Yaoundé. C'est l'école pour les enfants qu'on a fait rentrer au Cameroun. Il n'y a aucune école au Cameroun pour les enfants qu'on fait revenir en Bénin. Le mensonge de ça. Donne-nous le nom de l'école là. Et ne tente pas de dire que c'est l'école de Biémassi aussi. Donne-nous le nom de l'école là que tu dis qu'il y a une école là-bas à Yaoundé qu'on a conçue pour attendre seulement les enfants rejetés de l'Europe pour aller faire l'école là-bas. Viens nous donner le nom de l'école là. Tu as compris, non? Viens nous donner le nom de l'école. N'importe quoi. Le mensonge, je vous appelle les papas avec les tantis. Un woubi. Avec les fesses qui balancent derrière. Avec qui est venu parler des gens. Avec ta femme qui ne connaît même pas écrit. Son une illettrée comme celle-là. On attend le DNA. Pas le TAS qu'on t'a donné. Ça fait plus de 6 mois que maman Pépé a dit qu'elle veut voir le DNA. Voilà, viens avec le DNA, nous on veut voir. Conneri comme ça, là. Il dit parler des femmes. Tu vois, comme mon homme a le temps de venir au quartier parler des femmes, vociférer sur la vie des autres femmes. Tu cherches pas dans nos problèmes. Ton oubia, là. Quand tu te vois dans le miroir, avec tes grosses fesses comme ça, tu penses que tu es femme comme nous. Tu es oubi. Voilà. Tu es oubi. Alors que nous sommes nés comme ça. Mais toi, c'est un lifestyle que tu as choisi. La paresse de ça. C'est-à-dire qu'enlève tous les fingalis que tu as sur tes doigts là. Tu peux pas travailler. Voilà. Donc ne partez pas pleurer dans l'inbox de celle qui est au Cameroun là. Qui a venu me parler. Je n'ai plus rien à voir avec elle. Je n'ai pas de. C'est-à-dire qu'elle et moi là, c'est le jour et la vue. C'est le ni vu ni connu. Quand elle sait parler, ça ne va même pas ancrer. Voilà. Ça ne va même pas entrer. Même si c'est fustel. Même si c'était Fustel, on n'a jamais construit Fustel pour attendre les enfants de Mbeng. Les enfants que les parents ont rejetés en Mbeng pour aller fréquenter là-bas. OK? On prend tout le monde là-bas. Mais lui, il a dit qu'il y a une école particulièrement seulement pour les enfants que les parents ramènent de l'Occident pour fréquenter au pays. Et c'est ça qui a venu baver sur la vie des gens. Écarte mon couteau et ma fête. Tu as vu quoi? Mes fesses, là, sont bien fermées et tout. Écarte ça bien. Je pouvais dire que ce n'est pas moi. Je suis venu dire que c'est moi. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas mon visage. Je me suis assumée. C'est moi. Et c'était mon bon pantalon, mon uniforme de travail, ma gabardine. Et Marie, quand elle, tu vois comment mes fesses tiennent mon pantalon, qu'elle met alors la veste dessus. Imagine le charisme de ça. Qu'elle marche, quand elle leur donne l'escorte, ils vont voir combien ils regardent dans mes fesses. Je sais que je suis en contrôle. Pas les trucs qui m'ont les ballons, qui touchent le sol, qui ramènent encore sur mon visage. C'est bien ferme. Déchets. Voilà ton enfant qui s'est retrouvé au Cameroun à cause de ce qu'il a fumé le criole là-bas en Allemagne jusqu'à. Tu as porté l'enfant. Tu es un, depuis que tu t'assois avec tes caleçons déchirés dans tes fesses. Toi, Mbinda, elle te lève là comme pour un cadavre. Depuis que ton enfant est parti au Cameroun, tu es parti intégrer ton enfant au Cameroun. Qu'a intégré ton enfant? Le traumatisme. Ne pas te couper ton enfant au Cameroun. Hein. Tu peux pas aller rester au Cameroun avec lui. Tu fais quoi ici en Europe? Tu fais quoi là où tu travailles où? Tu es parti abandonner une mère intime comme toi. Tellement tu étais sur Facebook en train de créer nos vies, en train de bavarder sur nous. Maléba, maléba, le karma. Karma, il s'est bitch. Voilà. Continue à créer sur la vie de Ganja, Ganja. Voilà ton enfant qui était en attente. Tu es obligé d'aller fuir laisser l'enfant au Cameroun. Depuis que l'enfant est parti, tu es parti un jour intégrer l'enfant là. Tu es parti. Et tu connais que l'enfant a vu dans quelles conditions? Pourquoi tu ne pars pas au Cameroun intégrer ton enfant en devenir ta soeur et tes sales fesses là pour nous parler? Coucou, tata Lisette. Coucou, Lily. Merci pour les cœurs, chérie. Ton enfant est parti. L'enfant a fait quoi? L'enfant a fait quoi? Parce que l'enfant, là, il faisait le sport. Le sport discipline tous les enfants. L'enfant là, a fait quoi pour se retrouver au Cameroun? Tu as assis. Dise là où tu as assis, qui a intégré ton enfant. Pourquoi tu n'es pas allé au Cameroun? Pourquoi tu n'es pas allé au Cameroun pour intégrer ton enfant de revenir? Non, hein. Tu es sur la vie de Ngonja.
Gonja, Gonja, Chama fort, Chama fort, Christian de Monanchele, Christian de Monanchele, Chama fort, Chama fort, Nchele, Monanchele, Monanchele, comme tu as appelé hier. On te gère. Moi, je suis chez moi et mes enfants. Voilà, et mon mari, il est dans la même maison. On vit notre tombeng. On vit notre tombeng. Je suis allé au conseil de ma fille cet après-midi. On vit notre tombeng. Ta fille, elle a déjà dit l'autre jour que tu n'as même pas le temps, que tu ne connais pas préparer. Raison pour laquelle tu as dit dans l'émission de Woubi de la Suisse, tu as dit là-bas que tu ne prépares pas, que tu es très paresseux, que tu ne prépares pas, qu'il y a un Camerounais qui a un restaurant à côté de ta maison, c'est là-bas que tu achètes la nourriture. C'est ce que tu as dit. Donne la famine parfois pour tuer ton enfant quand il part au Cameroun. Un enfant comme ça, là, tu portes un enfant là, subitement, l'enfant se retrouve au Cameroun, alors que ton enfant joue au football là-bas. Les entraîneurs venaient sans laisser ton enfant là-bas. Il y a eu quoi pour que l'enfant se retrouve au Cameroun subitement? Je sais Lily, je sais, c'était dans le live, non, dans tous les deux lives. Ton enfant se retrouve là-bas subitement. Merci maman. Ma hôte. Subitement. Tu ne plains pas le billet d'avion hein, pour aller intégrer ton enfant de revenir. Non. Tu n'as même pas honte. C'est ça que parler là où les femmes qui font de writing comme nous everyday. C'est toi qui dis que c'est qu'un gonjé au Cameroun est en train de délirer. Puis quand tu veux dire que les Kamas c'est les bitch. On dit bitch. Ok? Bitch. B-I-T-C-H. Bitch. Voilà. Ce n'est pas la plage. Hein. Le bitch de la plage c'est B-I-A-C-H. Voilà. Le biatch. Le bitch là. Le biatch là. C'est B-I-I. Voilà. TCH, c'est différent de la plage. Tu ne connais même pas prononcer. C'est toi qui as aussi parlé. Tu n'as même pas le truc. C'est toi qui as aussi parlé anglais comme nous. Reste là-bas, dans le village. Parle d'abord l'allemand. Tu ne connais pas parler l'allemand. C'est pour ça que ta fille, tu as dit que tu ne connais pas préparer. C'est ce que tu as dit dans le blab du Woubi. Tu as dit dans le lab du Woubi de la Suisse que tu ne connais pas préparer. Qu'il y a un Camerounais, qu'il y a un restaurant. C'est là-bas que tu achètes la nourriture ou manger. Que tu ne connais pas pour parler. Quel homme va rester avec toi? Seulement la famine. L'enfant là pouvait aller au sport. Parce que quand un enfant pratique un sport comme ça, il a faim parce que ça creuse. Seulement la famine pouvait peut-être tuer l'enfant là. Son père a préféré le prendre. Et le père que tu as fait comme ça, et le père de l'enfant là, c'est le gars de ta copine, le gars de ta soeur. Tu as fait l'enfant là avec le gars de ta soeur. C'est avec le gars de Ching Ching que tu as fait l'enfant là. C'est toi qui avais dit, je suis la moralisatrice sur Facebook. Déchets. Tu as échoué là où d'autres femmes ont réussi. Tu as fait ton enfant. Tu es humain indigne. Toi, Raven Binda. Bien, tu es humain indigne. J'ai compris tes caractéristiques. Quand ta soeur est allée au Cameroun, je n'ai pas vu ta nièce auprès de toi. Alors qu'en tant qu'humaine protectrice, au lieu que ta nièce se balade chez les gens, comme elle se balade, dort sur le canapé pourri chez les gens là, tu pourrais aller prendre ta nièce et venir passer des congés avec toi. C'est comme ça qu'on fait dans les familles. Non, hein. Gonja, 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 Gonja. Entre temps, sa vie a été de glosser. Voilà ton enfant au Cameroun. Tu ne peux pas aller voir ton enfant au Cameroun, hein. Mais tu vas seulement payer la route pour venir voir le pasteur émérique, avec ton collant noir dans les fesses, dans l'intention de la nièce. Dans l'intention de la nièce. Une déchue comme toi. Toi, avec ta camarade, c'est là que le diabète a rongé partout. Là. C'est qu'elle appelle que Lydie Fokem. C'est qu'elle n'a même pas pu pleurer le dos de son père. Elle avait seulement la sacoche de la mendicité au cou. Elle voyait seulement que non, il faut, elle tendait ça seulement devant elle, qu'il faut que les gens mettent la hana pour remplir. Pleurer, son père l'a dépassé. Le diabète a été de la ronger comme ça. Là. Elle a séché debout comme ça. Pas tes amis. Hein. Pas arrêter ça. Bon, vous partez chez le pasteur. L'autre va quitter aussi l'Allemagne. Vous allez vous retrouver avec le collant noir aux fesses. Son mari ne bande pas. La cacatière, mon la cacatière, la cacatière, la cacatière, la cacatière. C'est quand on voit la lumière de Facebook qu'on veut aussi nous montrer qu'il peut niasse. Alors qu'en temps, il y a zéro bougement. Kikinette. Le demi-bout de spaghetti, quoi, ça ne bouge même pas. Le demi-bout de spaghetti, mof, quand la star, la vraie star avait vu ça, hé, hey, hé, hey, hey,
Elle fait quoi ici? Elle a été. Elle est partie. La vraie star, hein? Pas les conneries là qui viennent sa calvesse, que star. On lui parle de la vraie star. Elle est venue, elle avait vu le bout du spaghetti là, elle est partie. Le cul dans de ça. Que l'eau vous emporte, vous tous. Les conneries. Un homme qui est entouré seulement des wolowos. C'est qu'elle avait en Toulouse, Patricia, la vendeuse de Prima. Ngomba Pa est dans la chambre obscure entre deux clients. Elle a aussi créé Nganja. Dès que le téléphone du piment sonne, elle raccroche. Et quand c'est la nuit, Coco Poitou, la plus laide, c'est qu'elle a la bouche de cheval, la plus laide des Bamoun. C'est là que le peuple Bamoun l'a refoulé. On a dit qu'elle ne passe même plus à Bamoun. Sa langue du vent, on va la lécher. En tout temps, on la lèche dans l'obscurité. Mais il faut voir. Ganja. Des femmes qui ont la vie de merde comme ça. Merci, Julia Robert, pour tes cœurs, chérie. Comment tu vas, Julie? En tout temps, son fils est en prison. Son fils, le fils de Ngomba Pa, Ngomopion. Son fils est en prison. Ça fait plus d'un an que son fils est en prison. Elle a brisé tous les gros poissons ici là pour notre PM Antoine Bachot. Le gars a dit que niette, tu ne peux pas supporter tes odeurs corporelles. Le gars n'a pas pu niasse. Peut-être qu'il partait au lit avec elle comme ça, il ne pouvait pas bander. Il ne pouvait pas bander. Tellement les odeurs de ça. Les odeurs de ça. C'est qu'elle est venue parler, un ganja, tueli, ganja, tueli. Les pleurs de ça. Entre temps, c'est une autre femme, avec sa mauvaise haleine qui lèche ton corps. Des déchets, des sacs à poubelle comme vous. On parle avec vous. Des déchets comme ça. Il y a l'autre là-bas dans la forêt en Allemagne, qui vit là-bas dans le camping-car. Elle veut aussi venir parler. Une dépressive, une malade mentale. La générale des pisseuses là au lit. Ok? La générale des pisseuses avec ses yeux comme ça là. Ses yeux comme ça, une égarée. Ok, elle porte le camping-car. On a dit qu'on part à Paris avec le camping-car. Je vais le camping-car. Je vais le. Je vais le payer le parking à le sel au nez. Je vais. Mamie, ne te gère pas. Ok, tu n'es pas camerounaise. Toi qui vis dans le camping-car, dans une forêt là-bas en Allemagne, ne te gère pas. Toi, la générale des pisseuses là, ne te gère pas. Tu n'es pas une camerounaise. Tant que tu n'as pas mon éloquence là, je ne te plus jamais avec toi. Plus jamais, tu es bloqué de partout. Je n'ai pas le temps. La paix d'aller des démons. Et que tu es une exilée. Rentre au centre d'exil, là où tu as fui. Tu as niaise avec le père de ton gars. Là, il a trouvé que la niaise était bonne. Il t'a donné son fils, tu as épousé. Voilà. Tu nous as dit que c'est le père de ton mari. Voilà. Tu ne vois pas comment elle m'insulte dans tous les palais depuis ce week-end. Tu n'as pas vu ça aux riches. Elle n'a pas dit aux gens comment je voulais niaise avec Osmaro. Tu n'as pas vu ce qu'elle a fait sur moi hier chez Bertrand. Une malade mentale comme ça. Que j'ai parlé à sa star. Que l'autre emporte avec ta star des bêtises comme ça. Reviens encore me prononcer. Et qu'elle revient. C'est vrai que j'étais là, je n'avais même pas parlé de toi. Parce que je respecte toute la relation qu'on a eue ensemble. Tu crois que tu peux manquer du respect aux gens comme ça? Du peu. Tu veux que peu comme ça, tu dénigres, tu prends mon image, tu pars partout. Tu es parti chez Afam avec mon nom pour me dénigrer. Tu es parti quand tu viens laisser le message dans mon téléphone que tu es en train de me dénigrer proprement là-bas chez Afam. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Mais va là où tu veux. Elle a passé toute la journée vendredi chez Afam. Ça me dit toute la journée était là-bas chez Afam, autant pour moi, à me dénigrer. Tu vois que pas avec toi. Tant que tu es une autre victime, tu es l'une de ces victimes. C'est pour ça que tu ne peux pas te détacher de ton bourreau. Voilà. Toi, la générale des pisseuses, là, toi et moi, plus jamais. Tu vas rester dans ton camping-car, dans la forêt, là-bas, en Allemagne. Ok? Je ne traîne pas avec les enfants comme toi. Tu es une malade dans ta tête. Va te faire soigner. Voilà.
C'est le traumatisme que tu as nias le père et tu as épousé l'enfant qui te dérange. Elle est repartie là-bas toute la journée de samedi. Et elle part comme ça, elle devait me laisser les messages dans mon téléphone. Hein. Elle devait me laisser les voix. Je suis en train de te laver chez Afan. Je suis en train de te laver là-bas propre. Elle était là-bas toute la journée de samedi. Elle a fini là-bas, elle est venue chez Bertrand. Elle est venue me laver encore dans le lave là-bas chez Bertrand samedi. Hier matin encore, elle m'a lavé encore là-bas. Tu crois que parce que j'ai parlé à ta star, donc tu crois que ta star va aller chez Deko Mamougou, finir avec moi comme elle a fini avec moi. Je n'avais pas lui répondre. Et je suis venu en inbox par respect pour toi. Je suis venu t'avertir. Si tu étais normal comme moi dans ta tête, tu m'aurais dit que oui, j'ai compris, je vais lui parler, maman, laisse comme ça. Tu m'as dit que non, que je te tienne pour Chantal, que je dois faire ce que je dois faire. J'ai fait ce que je fais. J'ai trouvé de normal à faire. Ok? Voilà. Je suis sorti lui parler vendredi nuit. Elle est partie qu'elle me laisse des messages. Je suis chez Afam. Je suis en train de t'insulter là-bas chez Afam. Je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai à foutre? Jusqu'à elle vient encore me laisser les messages. J'ai bloqué les pipis du chat là de partout. Tu as cassé les murs pour encore entrer dans mon inbox. J'ai bloqué de partout. Reviens encore. Elle était comme ça, une malade, tu n'es pas camerounaise, une djunju comme toi, un masque africain comme toi. Quand je te vois là, tu es ta qualité parmi nous. Quand tu nous vois les camerounaises là, tu es une de qualité comme ça. Elle est carrément là, passer toute la journée de samedi là-bas au riche. Et elle vient encore me laisser les messages, hein, qu'elle a en train de me laver là-bas. Elle vient me faire savoir dans mon inbox qu'elle a en train de me laver chez Afam. Vu qu'elle rit, elle prie. Elle a été de me laver. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Quand tu parles de pavaner, tu racontes les choses que ta tête voulait faire pour avec Os. Quand tu vois Os, c'est mon genre. Quand tu le vois, là, son ventre qui touche le sol, là, c'est mon genre. Donc, une sale chose comme ça. Tu as commencé la procession au Gabon. Tu n'as même pas 12 ans. Tu t'es placé en route. Tu vois que j'ai les mêmes valeurs que toi. Hein? Une vilaine, une laide de choses comme toi. J'ai voulu te lift up. Parce que les gens te. Tu étais bouli dans le milieu des Camerounais. Tu étais bouli dans le milieu des Camerounais. Tu étais bouli. Tu étais lift up. Ils te donnaient une place. Ok? Toi, tu veux parler à qui? Moi, ça m'a empêché de le faire parce que moi, je croyais qu'on ne t'aimait pas dans le live. Parce que c'est qu'on avait un petit cercle en commun. Ok? Si je savais qu'on était encore là, je n'avais même pas parlé. Oh, arrête ça. Voilà. Tu dégages. Je ne veux plus de toi. Tu n'es pas dit que je mettrais quand je suis une vieille mère. Je ne devais même pas être amie avec vous. Que je vous dépasse au moins de 15 ans. Je suis vieille. Attends, je vais mettre ton intervention chez Bertrand hier. Où je n'étais pas là-bas. Elle-même va écouter. Ce que tu as dit de moi chez Bertrand hier. Je prends seulement la partie d'hier là. Tu crois comme si Bertrand effaçait son live là tellement il a crié dedans. Tu crois qu'il a tellement elle a crié. Bertrand lui dit que non, ne parle pas de Thérèse ici comme ça. Elle dit que Thérèse c'est qui? Elle me lave là-bas. Une vieille mère de la cinquantaine. Bientôt elle aura 60 ans. Bientôt elle aura 60 ans. Elle n'a même pas la capacité. Normalement, elle n'est même pas nos amis. Elle est trop vieille pour être notre amie. Elle est trop vieille. Qu'elle laisse des enfants comme nous. Bertrand lui a dit que mais tu es né en 85. Tu n'es pas un enfant aussi. Tu es né en 85. Vraiment. C'est vrai qu'on dit que c'est la patate qu'elle dit qu'elle ne va pas démanger, qu'elle ne va pas gratter, pourquoi la mange que. Bertrand a effacé le lave là. Parce que, non, voici ça, voici le lave là, j'ai retrouvé. Attends, je vais baisser le volume. Je vais chercher la partie où elle est montée pour intervenir. Elle vient chez Bertrand, Bertrand est en train de parler d'autre chose, elle ramène comme mon nom. Elle vient chez Bertrand pour me laver. Mais toi, tu dis que non, je ne veux pas que tu parles de Thérèse comme ça ici. Non.
Cette fois-ci. Ici maintenant. Ne regarde pas après, tu vas dire que c'est toi. Moi et la rose, on n'a pas de problème. Ne demande pas. Allô, Njoka. Oh non, en fait, je ne l'insulte pas. Tu me vois l'insulter. Donne une seconde, elle va monter. Elle va monter. Bon, j'ai pété un câble. Il parlait d'autre chose, hein. Comme il a l'habitude de parler de ces choses et tout, elle monte, elle ramène le lard à moi, avec sa langue qui coule dans la bouche, alors qu'elle ne connaît même pas s'exprimer en français. Tu crois que même étant avec toi, tu ne peux pas, la conversation que je vais avoir avec Ori, ce n'est pas la même chose avec toi. Tu n'as pas le feeling de nous, les Camerounaises. Tu n'as pas notre feeling. On force pour ta capacité. Tu ne connais même pas t'exprimer. On a du mal, ton marché que tu parles à bracata là. On a du mal. On te prend comme une soeur africaine. On te dit que ok, ok. On te tient la main. Tu crois que tu peux parler? Là, voici la bêtise là. Oui, bonjour. Dis-moi. Oui, je suis juste monté pour un peu faire petit atalako pour. Elle s'appelle quoi? C'est la maman de Patricia. Elle s'appelle Patricia Nana. Ça, c'est son prénom. C'est une fille que je suis beaucoup longtemps. Ça fait plusieurs années que je connais Patricia Nana. C'est une fille de la joie. C'est une bourgeoise. Et ça veut dire que tu es une vendeuse de piments, hein? Vendeuse de piments pour toi. C'est pas une vendeuse de la joie. C'est une fille de la joie. Une fille de la joie. Je ne comprends pas son français. Non, une fille de la joie ne veut pas dire sacrifice. Une fille de joie ne veut pas dire ça. Elle ne connaît pas s'exprimer. Une fille de joie veut dire une tireuse de valise, maman. Allô, même si elle est tireuse de valise, mais je t'ai dit, je suis Patricia Nana, ça fait très longtemps. Patricia Nana, c'est une fille qui aime vraiment l'onjoka, elle aime le fuka fuka et tout. Elle s'est un peu calmée quand les enfants sont arrivés, hein, mais je pense, oui, parce qu'avant, elle était trop chaude. Mais les enfants l'ont un peu calmée. Vraiment, félicitations, Patricia Nana. Je vais te dire, Patricia Nana, c'est une Yolomania de souche, mais elle a toujours aimé Flore. Elle a toujours gardé la relation entre elle et Flore. Ils ont eu le haut et le bas. Il y avait Flore, il y avait celle qui faisait la manipule, ça, Linda quoi quoi là, un truc comme ça. Linda Mandarine. Non, une Linda comme ça, qui fait la manipule. Elle ne connaît même pas s'exprimer. Patricia a toujours pris sa place. Elle ne connaît pas s'exprimer. Patricia, c'est une personne qui a toujours joué entre Tata Lolo et Flore, comme le sait. Il n'y avait pas une truc comme bon, le sait. Mais je sais qu'il y avait plus d'amour parce que c'est une parenté avec Tata Lolo et toi. Même si il y a des petits tiraillés, dans chaque famille, il y a un tiraillé. On ne peut pas mener les histoires que tu dis que non, ça fait 5 mois que Patricia. Patricia, je ne trouve pas que Patricia a déjà manqué de respect à Flore. Elle a fait les remontants à Bédré dans son live. Elle ne connaît pas s'exprimer. Non, arrête de prêcher le flore. Non, non. J'ai dit juste qu'elle était dans un direct. Bon, elle a lâché Flore. Oui, mais parce que c'est une Yolomania, Patricia Nana. C'est une vraie Yolomania. Ça, c'est des Yolomania qui donnent les 5 000 euros à Tata de l'OE. Elle fait quoi avec? Voilà, Nelly Linda. Nelly Linda. Patricia Nana, je ne pourrai jamais manquer. Je ne pourrai. Je ne pourrai. C'est l'une de nos manières que je donne café chaque fois. Non, mais là, elle est à B. Donc, arrête ça. Qui t'a dit qu'elle est à B? À B. Elle est à B. Elle est maintenant. Qui t'a dit ça? Qu'elle est à B. Je te pose la question. Oui, ça va faire. Comporter. Non, elle ne pourra jamais être à même. Patricia aime trop Tata Lolo, elle aime aussi Flore, c'est sa soeur. Tu vois, mais il n'y a pas de ça d'abeille et tout. D'accord, ok. Profite de mon plateau pour demander pardon à la rose ici, s'il te plaît. Quelle rose? La rose de Fonfon, c'est la marque rose. Ah, ah. C'est moi et la rose, on a des roses. Donc, demande pardon à la rose non. Ici. Non, moi et la rose, on n'a pas de problème. D'accord, demande pardon ici maintenant. Regarde-moi après, tu m'as dit que c'est toi. Moi et la rose, on n'a pas de problème. Demande pardon. Oh là, voilà, là, je compte. Allez, pardon. Bonjour la rose. Comment tu vas, ma grande sœur, chérie? Je te souhaite une très bonne dimanche à toi. Maman la Rosaria, je t'aime beaucoup. Moi, je ne demande pas pardon à la rose. Maman la Rosaria, une Congolaise comme ça qui a refusé. Je parle à la Lingala, on quitte ça. Comme maman la Rosaria. Tu prends le téléphone, les Michel, la rose, comme ça, les nourritures qui sont sur mes tas. Quand la rose est calme, si elle ne prononce pas ma star, maman, je la yamo jusqu'à ça qui est ça. Demande pardon au pasteur supérieur. À qui c'est? Moi, je lui ai fait quoi c'est? Tu as dit qu'il était
Et Kikinette. Et toi, tu es... Non. Attends. Oh, attends. Pardon. Et toi, tu es... Et toi, tu es... Réponds. Anaconda, non. Non. Ah. Ah. Donc, tu veux que je te dise, maintenant, je ne demande pas d'avoir. C'est ce que tu veux, non? Non, ben non. Tu as... Il est fâché, hein. Demande-lui pardon. Il est fâché depuis quand? Ben... Demande pardon, tu veux que je te fasse un dessin. Demande pardon, maintenant. Je t'écoute. Est-ce que moi, je veux demander pardon à des comme? Tu sais que quelqu'un, si je veux demander pardon à des comme, il va encore penser que je lui laisse les bouts. Je ne veux pas laisser le métier là-bas, pardon. Moi, il n'y en a pas de problème. J'étais dans son direct hier. Je ne veux pas juste trop les sentiments quoi, avec lui, quoi. Je ne veux pas. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe avec Tatiana et Thérèse? Apparemment, c'est gâté. Mais ce n'est pas... Tatiana et Thérèse, je ne pense pas. Tu as vu ça où c'est? Non, apparemment, il y a la guerre maintenant entre les deux femmes. Non, c'est moi. Ils ont clashé, ils se sont clashés. Oui. Pas ah. Tatiana fait les proches contre moi, mais moi je sens que ce n'est pas pour moi, parce qu'elle n'a pas prononcé. Moi et Thérèse qui se place, moi et Thérèse. On a des... Écoutez, elle dit que moi et Thérèse, alors que je n'ai même pas un problème avec elle, elle dit que c'est moi et elle. Et donc, demande pardon à Thérèse alors. Elle dit qu'à toi, tu es en train de compter la vieille femme là qui vient de ranger le gens sur Facebook ou pas. Tu sais bien que toi et Thérèse, vous avez le même âge. Thérèse au moins 50 ans. Thérèse vient mélanger avec nous. Une femme qui nous dépasse moi avec 8 à 10 ans. Ouais. Elle doit se respecter. Est-ce que moi je n'ai pas respecté Thérèse? Moi je l'ai prise là. D'accord, ok, on va parler de Thérèse ici. Pourquoi tu veux que je le demande pardon? Parce que je ne pas demander pardon. Parce que c'était ta copine avant. Vous ne pouvez pas être amie aujourd'hui demain. C'est fini l'amour. Elle m'a bloqué hier, c'est une pleureuse. Elle m'a bloqué, elle insulte ma sœur parce que hey, tu peux insulter ma sœur et puis je parle avec toi. Quand je suis en paix avec quelqu'un, ça qui a une amie, il y a un contrat. Dès que tu me déçois, je m'en fous, je ne respecte pas. Thérèse n'est pas notre gars. Thérèse au moins 48 à 50 ans. Elle doit respecter son âge. Comment elle punit Tatiana? Tatiana, c'est son égal? Tatiana, une petite fille de 36 ans, 37 ans. Thérèse, quand elle punit le corps de l'enfant partout, parce que c'est normal. Une fille qui a fait au moins 5 accouchements. Est-ce que c'est normal que Thérèse fait? Thérèse qui a beaucoup de enfants. Thérèse a fait la même chose. Toi aussi, tu as publié les gens. Et puis, moi, je clashais. Moi, je ne clash pas aussi. Mais je ne veux pas faire des choses qui sont sales. Je ne veux pas publier les gens, la nudité des gens sur Facebook. Tu m'as publié mon mangala. Toi, tu as publié mon mangala sur Facebook. Voilà. Nous ne sommes pas ensemble. Voilà. Tu n'as pas demandé pardon. Voilà. Donc, je te rappelle juste ma chérie. Moi, j'ai publié ton bangala parce que tu m'énervais. Tu faisais comme un fou déjà. Tu m'harcelais partout. J'étais obligé de faire ça pour que tu me laisses à paix. Et j'ai caricaturé, j'ai bloqué, j'ai caché certains. J'ai bloqué tes gros veines là. Qui étaient sur ton bangala là. Parce que si elle voulait te publier, je vais publier tout le bangala où il y a la vidéo où tu t'es masturbé. Voilà. D'accord. Mais en tout cas, c'est chaud. Pour Thérèse, tu as fait la même chose. Je vais rien faire. Thérèse a publié la nudité d'une jeune fille. Toi, tu faisais un métier bien vacciné. Thérèse a au moins plus de 7 à 10 ans d'âge de Tatiana. Elle doit réfléchir. Tu penses que même si la petite Lorraine, là, ou bien les Tatiana, elle me font quelque chose, je peux les faire du mal en sachant que moi, je les dépense au moins à 10 ans, à 7 ans. Je respecte chacun selon son âge. Mais tu fais la même chose à Toby de Berlin, non? Est-ce que tu ne fais pas la même chose à Toby? Toby, c'est ta petite soeur de loin. Ta petite soeur de loin. J'ai reconnu Toby dans le clash. Toby n'a jamais été mon acteur. Toby, c'est quelqu'un qui me faisait rire. De toute façon, je voulais faire écouter. C'est moi qui donne la chance à ce petit monde. À Orish, parce que Orish, je ne te mets pas au point. Orish, tout ce week-end, elle ne se sent pas bien. Elle ne t'est même pas connectée. Parce qu'elle a une grippe qui la fatigue et tout. Donc, voilà ça. Donc, voilà. Donc, je n'ai plus rien à discuter avec toi. Voilà. Donc, je n'ai plus, tu ne t'exprimes pas. Je ne connais même pas en quelle langue je vais te parler. Voilà, je ne te connais pas. Donc, je te dépose là où je t'ai connu. Voilà. Donc, va pleurer loin. Tu as partagé le coup. Tu as montré le sexe de Bertrand en Facebook Live. Donc, parce qu'il a parlé de ta patronne. Tu as montré le sexe de Bertrand en Facebook Live. Il y avait plus de 300 personnes. Tu as montré le sexe de Bertrand. Je sais que tu n'avais pas suivi. Je sais. Et tout ça, elle est là-bas. Elle a passé toute la journée. Ils ont fait peut-être 12 heures de lave samedi. Elle était là-bas à me laver. Dès que Osmarius est venu chez Bertrand pour me laver, elle a suivi là-bas. Commencé à écrire son charabia qu'elle éclaire en personne.
écrit des conneries, je ne connais même pas ce que. Parfois, je dis, je ne comprends même pas. Je suis une vieille mère, tu n'es pas en train de m'aider. Ok, vieillir, c'est une grâce. Mais Bertrand t'a rappelé que toi-même, tu es né en 85. Tu n'es pas un enfant. Tu es né en 85. Tu n'es pas un enfant comme tu penses l'être. Voilà, va m'écrire d'abord. Va décoller tes cuisses qui collent en bas là. Va te m'écrire, va faire le sport. Voilà, je t'ai dit, comme je t'avais dit la dernière fois, tu devais rester dans le noir. Ne crois pas que tu es agréable à regarder. Va, toi tu es une Congolaise, rentre dans la forêt. Va cultiver le bundu. Voilà, tu n'es pas gabonaise. Tu as un trouble d'identité, tu ne connais pas d'où tu viens. Tu es une Congolaise, tu n'es pas gabonaise. Il n'y a aucune gabonaise qui ne connaît pas parler, s'exprimer en français comme toi. Le charabia de ça. Tu as commencé à vendre le piment. Tu es parti du Congo. Tu as traversé l'eau. Tu es venu au Gabon t'installer, avec ta marchandise dans tes fesses. Tu as commencé à vendre le piment. Tu n'avais même pas 12 ans. Tu as niaise avec le père de ton mari. C'est lui qui t'a introduit son fils pour que tu l'épouses. Je n'ai rien à discuter avec toi. Tu traites une malchance en toi. Voilà. Donc, tu me fiches le camp. Si ta star, quand tu dis là, m'insulte, je vais l'insulter aussi. Elle est partie chez Bertrand. Bertrand était dans son combat de paix. Chez Pasto. Pasto était dans son combat de pervers narcissique. Elle a tourné le direct sur moi. Elle dit que moi-même, je suis une pervers narcissique. Que si les gars-là m'appelaient à 4 heures, c'est parce que moi aussi, je voulais de ces gars-là. Elle m'a bien insulté. Voilà. Je suis venu te faire part. Elle n'est pas gabonaise. C'est une Congolaise. Je connais non Lisa. Elle n'est pas gaboma comme toi. Elle n'est pas gabonaise. Il n'y a pas une gabonaise. Ma meilleure copine est où? C'est une gabonaise. Elle est mienne. Ma meilleure copine, c'est que je me suis rasé les cheveux pour l'accompagner dans son traitement. Elle est gabonaise. Voilà. Elle n'est pas. Je ne connais aucune gabonaise qui ne connaît pas s'exprimer en français. Qui n'a même pas le basic. C'est une Congolaise. Elle ferait mieux de parler son lingala et elle laisse le français comme ça. Voilà. Donc je n'ai rien à foutre avec toi. Va partout, tu m'insultes. Je vais venir ça mettre ma caméra. Tu te connais. Je vais te faire encore ce que tu avais fait la dernière fois. Tu me connais. Si j'avais. Si je savais que oui, j'étais encore là, je n'avais pas parlé. Parce qu'on a fait un petit truc là ensemble, on était ensemble. Donc je ne voulais pas la mettre dans une position délicate. Mais elle ne peut pas digérer le fait que tu sois parti chez Afam samedi toute la journée. Et comme ça ne suffit, tu rentres me laisser les messages de tout ce que tu as dit de dire de moi là-bas. Tu rentres me laisser les messages dans mon inbox. Ils ont dit de t'insulter là-bas comme ça. Ils ont dit de dire telle chose à toi. On a été lavé sur Afam. On est entré. J'ai dit de dire à Afam de finir avec toi. Qu'ils finissent avec toi. Une malade mental comme toi. Qu'est-ce que j'ai à foutre avec toi? Tu n'es pas camerounaise. Nous les Camerounais là, on ne te connaît pas. Nous ne te connaissons pas. Va décoller tes cuisses là avant de venir parler de moi. Parce que quand je te parle, mes cuisses respirent. Quand elle sort du noir, avec ses dents pourries. Va lever tes dents carriées que tu as devant là. En tant que la femme des blancs, va lever ça. Va changer ta dent carriée là. Tu as une dent carriée là devant. Va enlever ça, on traite ça. On te remet une autre dent. Voilà, avant de venir nous parler. Moi, je n'ai pas les dents blanches, mais je n'ai pas une dent carriée dans la bouche comme toi. Poubelle comme toi. Déchet. Tu vois que je vais accepter que tu viennes traîner mon image et ta folie qui m'a dans ta tête là. Saleté comme ça. Tu as passé à montrer les nuités des gens. Mais les nuités de Flore. Qui a caricaturé Flore de Lis là sur la toile plus que toi? Qui a caricaturé? Tu portais les fesses de Flore de Lis comme ça. Ces vidéos nues. Tu mettais sur ta page à 2h du matin. Tu mettais ça sur ton WhatsApp. Sur ton réel. 2 heures, tu attendais sur 1 heure, 2 heures, pour afficher les nuits. Flore de Lis s'est remise avec toi parce que, avec vous, parce qu'elle avait peur de toi. Personne n'a caricaturé Flore de Lis sur la toile comme toi. Personne. Tu attendais 1 heure, 2 heures du matin pour porter la photo de ses fesses comme mec sur Facebook. Tu as oublié? Déchets. Saleté. Ça va d'abord te faire décoller les cuisses. Va laver la marchandise qui soit là, d'abord, dans votre haut là-bas. Une Congolaise comme ça. Va parler le lingala, tu quittes ça. C'est gabonais. Tu n'es pas gabonaise. Il n'y a pas une gabonaise qui s'exprime mal comme toi en français. Tu n'es pas gabonaise. Parle le lingala. Tu es congolaise. Voilà. Donc, je ne te gère pas. Que Tatiana me fasse
les postes ou quoi que ce soit. Je connais comment il peut prendre Tatiana. Voilà, je connais. C'est entre nous les Camerounaises, on va gérer nos problèmes. Voilà, tu ne te mêles pas. Tatiana a dit pire que ça de moi, mais je la prends comme une petite soeur. Je ne la gère pas. Voilà. C'est entre nous les Camerounaises. Ne va pleurer, là, on ne te connaît pas. Déchets. Sale chevalier, bah, elle s'enfonce à Bracadan. On force même pas de la compassion pour elle, jusqu'à on ne comprend pas. Et c'est comme ça que l'idiot sort du mur. Elle dit, hey, y a pas toi, t'es connu que tu fais à Bézard, tu peux faire ça. Je pisse sur toi. Je finis avec toi. Va enlever ta dent carrière là, tu fais traiter ça. Saleté. Ok, mes gens. Bon, je suis sûr, on va se séparer, hein, parce que j'ai des petites choses à faire et tout. On va se séparer. On a quand même passé peut-être 2 bonnes heures et tout, peut-être plus et tout. N'est-ce pas? Donc, on va laisser le live là comme ça. Voilà. Laisser. Donc, comme je l'ai dit tantôt, personne ne peut me monter dans le live là, hein, parce que le live est tellement signalé. Donc, comme je l'ai dit tantôt, il peut même pas avoir, personne ne peut me monter. Il ne peut même pas avoir. Merci maman Oti. Il ne peut même pas avoir. Il y a beaucoup de gens qui voulaient monter, qui ont envoyé des demandes et tout pour participer au live et tout. Mais malgré le live était trop signalé, bon, les gens ne peuvent pas monter. Il n'y a que la reine Mère Bio qui a eu une petite chance et tout, elle est montée pour une seconde et tout. Et on l'a encore descendu. Donc, sur ce, prenez soin de vous. Ok, mes gens, je vous y amo. Voilà, donc, j'espère que tout le monde a compris. Donc, je suis venu ici là pour vous réintégrer. Voilà, pour vous dire que la vidéo, que vous dites que la nudité, il n'y a pas de nudité. Moi, je ne vois pas la nudité. Moi, je ne peux pas porter la nudité d'une femme. Venez mettre, moi, je n'ai pas vu la nudité. Et je voulais un peu secouer une soeur que réveille-toi. Réveille-toi, ressaisis-toi. Ils ont des end of the world. Ressaisis-toi. Et j'espère qu'avec son attitude, qu'elle est venue hier et tout. Ok, elle a compris. Mais ce n'est pas le cas. On repart là-dedans. Mais en ce qui concerne Perpétue Malébala, collez-lui la paix. Voilà. Collez-lui la paix. Voilà. Chaque fois qu'elle monte dans l'avion pour aller au Cameroun, vous sortez sur elle. Vous pourrissez son séjour. Voilà. Donc, merci maman Caro pour tout tes cœurs et tout. Merci pour tous ceux qui étaient là. Je vous ai vus. Hein. Je vous ai tous vus et tout. Merci, 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 merci. Voilà. Donc, voilà quoi. Donc, on va se revoir plus tard, ok? On se revoit plus tard pour d'autres. Ça dépend du développement, you know, des actions. Ça dépend du développement et du développement aussi, hein. Voilà. Donc, sur ce, je vous aime. Merci, Lisa, pour tous ceux qui étaient là, dans les Loli, le Mat et autres et tout. Je ne veux pas commencer à énumérer les noms. Merci à Orish et vraiment, prends soin de toi, chérie. Reviens-nous plus forte que jamais. Tu as une grippe là qui a été de te fatiguer ces jours-ci. Bisous aux enfants et tout. Donc, bisous à vous, mes gens. Je vous y amo, ok? Bisous, bisous. Et avec Medina qui était le premier à venir et tout. Je vous love. Ok? Je vous love. Gros cœur ma Denisa, gros cœur ma personne. J'espère que tu as passé un agréable week-end et tout. Donc je vous aime, ok. Il fait froid, courons-nous, ok. Bisous chérie, merci pour les cœurs aux riches. Love you guys, ok. Bye bye.